Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sport en France pour un des événements de l'année en hockey sur glace français. Nous sommes actuellement à l'Arena Ice de Cergy pour la grande finale de la Coupe de France de hockey avec les Rapaces de Gap et les Ducs d'Angers. Une finale que je vais avoir le plaisir de commenter avec Pierre Pousse. Bonjour Pierre, deux équipes disciplinées qui s'affrontent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match fermé ? Bonjour, on ne sait jamais, une finale c'est une finale, mais c'est clair que ce sont deux des équipes les mieux organisées de notre championnat, et effectivement bien en place, ça joue bien défensivement, mais les deux équipes ont aussi des bonnes attaques, hein, Angers avec son trio Allé, Giroud et Bouchard, et Gap avec peut-être une équipe un peu plus équilibrée au niveau offensif, mais en tout cas on ne peut rien dire, c'est une finale, il n'y a pas de lendemain à ce match. Et oui, voilà, il ne va pas falloir jouer aussi avec la peur au ventre puisque le trophée Pète la Liberté se joue aujourd'hui et sur un seul match. Oui, c'est clair, effectivement, une finale, on ne peut pas dire à l'avance ce qui va se passer. C'est clair que si un but est rapidement marqué, peut-être que ça va débrider cette finale, alors que si on se rend compte un peu que ça attend, et on se rend compte effectivement que ça sera pas facile. On voit par quoi ces deux formations sont passées et bien pour se qualifier pour la finale. Des matchs serrés des deux côtés. Les Angevins ont battu les Boxeurs de Bordeaux sur le score de 2 buts à 1. Et les Rapaces de Gap ont battu Briançon dans le derby 2-0. Oui, ça a été deux matchs très très tendus. Hein. Vraiment, les deux équipes sont passées à un fil près. Et c'est vrai que tout le parcours de ces deux équipes a été somme toute pas facile. Et pour accéder à cette finale, les deux équipes ont dû batailler. Oui. Et effectivement, maintenant, ils y sont à cette grande finale qu'on attendait tous depuis deux ans déjà. Et oui, effectivement, la dernière, c'était il y a deux ans. Les Gothiques d'Amiens s'étaient imposés au tir au but face aux Dragons de Rouen. La tension monte, l'ambiance aussi dans cette Arena Ice où, rien que pour l'entrée des Ambonis, il y a eu une ambiance complètement dingue. Hein. On va pas se le cacher. Le début du match, c'est dans quelques instants. On a le temps d'écouter les coachs. On va commencer par Eric Blais, le coach des Rapaces de Gap. Bonsoir coach, ça y est, on y est, la finale tant attendue. Est-ce qu'on peut dire que votre formation avait déjà la tête à l'Arena Ice puisque vous restez sur deux revers consécutifs cette semaine ? Oui, on va laisser ça derrière. On prend les matchs les uns après les autres et puis là, on est. Ce qu'on veut, c'est vivre notre finale de Coupe de France pleinement, d'accord, sans penser à ce qui s'est passé les deux matchs précédents. Donc voilà, on a tout mis en œuvre pour faire le mieux en tout cas aujourd'hui, le mieux possible. Qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui, l'équipe qui va le moins dénaturer son jeu à cause de l'enjeu ? Oui, je pense, mais de toute façon, j'ai guère de doutes sur le jeu qu'ils vont mettre en place. Eux, ils ne seront pas surpris non plus par l'opposition qu'on va mettre en place. Donc voilà, ça va être assez intense. Moi, je m'attends à un match intense. Donc c'est la rigueur qu'il va nous falloir, ils vont en avoir aussi. Donc voilà, il va falloir qu'on soit constant pour les challenger pendant 60 minutes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une finale fermée, du coup ? Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Ça a été des matchs serrés à chaque fois. Voilà, il y a le championnat, il y a la Coupe de France, c'est spécial. Je suis pas capable de répondre. Par contre, voilà, on va faire notre. On sait comment les jouer, on sait sur quoi porter notre focus pour essayer de verrouiller leur offensive. Donc voilà, on va s'atteler à ça déjà. Merci coach, bon match. Merci. Verrouiller l'offensive adverse, bien défendre. Pas beaucoup de surprises aussi, ce qu'il disait sur le plan de jeu potentiellement adverse. Voilà, on sait un peu à quoi s'attendre. Il a aussi parlé de discipline, hein, parce que c'est bien sûr sur les supériorités numériques et infériorités que ça va se jouer aussi, hein, dans un match tendu comme ça. On le sait, c'est là-dessus que ça se débloque. On va bien voir quels seront les jeux proposés par ces deux formations. En tout cas, on écoute le coach des Ducs d'Angers, Ethan Goldberg. Hello coach, it's your first Bonjour final. Coach, c'est votre première Angers finale pour Angers, pour votre première saison. Quel est votre ressenti là-dessus ? C'est un très bel accomplissement pour les joueurs. C'était pas facile de venir jusqu'en finale. C'était très serré, mais ça reste du hockey. On est très excités pour cette finale. Est-ce que vous avez préparé un discours particulier pour dire à vos joueurs avant le match ? Il y a des joueurs qui ont déjà été dans ce genre de situation avant.
Je vais pas faire de discours particulier, ça reste un match de hockey, je vais le préparer de la même manière. Qu'est-ce que vous pensez qui va faire la différence pour le match qui vient? Je vais être un petit peu cliché, mais ça se joue sur des détails. La dernière fois qu'on a affronté cette équipe, ça s'est joué à un seul but, donc ça risque d'être un match très serré. On peut s'attendre évidemment sur un match serré, Pierre. Oui, bien sûr. C'est un jeune coach, effectivement, il ne connaît pas cette ambiance de la Coupe de France. Il ne sait pas ce que c'est. Au contraire, peut-être qu'effectivement, Eric Blé, lui, il, avec Kagap, ils avaient déjà fait des finales de Coupe de France. Donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des joueurs, y a des joueurs qui ont plus d'expérience peut-être des finales de Coupe de France du côté d'Angers que du côté de Gap. Et Julien Correa, lui, il en a de l'expérience, le joueur de 34 ans. Pour ce genre d'événement, évidemment, l'expérience, c'est primordial. Oui, bien sûr. Lui, je pense qu'il avait déjà connu une finale de Coupe de France avec Lyon. Là, il l'a fait avec Gap. C'est un peu le dynamiteur de cette équipe. Hein. Toujours là pour conclure au bon moment. C'est peut-être le seul sniper de cette équipe. Avec Golicic, bien sûr. Il est buteur, il est passeur, il sait tout faire, ce joueur des Rapaces de Gap. Et de l'autre, il y a un joueur aussi expérimenté. On aurait pu en mettre deux. Il fallait en choisir un des deux. Il y a Tommy Giroud et Philippe Haré qui restent sur deux victoires de suite en Coupe de France. Et c'est le meilleur pointeur qu'on a choisi des Ducs d'Angers cette saison en Ligue Magnus. Qui peut faire évidemment la différence. Bien sûr, avec Amiens, ils avaient gagné les deux dernières finales de Coupe de France. Donc ils savent ce que c'est. Et puis depuis qu'ils sont à Angers, c'est eux qui sont clairement les leaders de l'attaque. Alaïs Giroud, sans oublier le sniper d'Annick Bouchard. Oui, il y a de la profondeur, hein. C'est ce que l'on retient très vite dans cette formation des Ducs d'Angers. Et c'est ce qui peut faire la différence aussi, cette profondeur. Bien sûr, c'est clair que Angers est deuxième du championnat derrière Grenoble. Gap est un peu plus loin. Donc il y a un favori, on va dire, logique, qui est Angers. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est une finale. Ça joue sur un match, voilà, on ne peut sur pas. 60 minutes. Il peut s'en passer des choses. Il y a déjà eu des surprises. Et il peut y en avoir, évidemment, aujourd'hui. En tout cas, mais quelle ambiance, hein. Il y a énormément de bruit dans cette Arena Ice. On sent vraiment la tension monter à quelques instants de la rentrée de ces deux formations. Quelque chose qui peut faire la différence aussi, Pierre, c'est l'inexpérience entre guillemets de ces deux gardiens qui s'affrontent d'un côté Junka, de l'autre Evan Colley. Oui, bien sûr. C'est vrai que Junka est un jeune gardien de but, mais Colley aussi. Et donc voilà, on ne sait pas comment. Il y a beaucoup de choses qui vont reposer sur ces deux gardiens-là. Ce sont de très bons gardiens. Ils l'ont montré en championnat depuis le début de la saison et avant. Mais voilà, maintenant c'est une finale, il y a beaucoup de choses qui vont reposer sur leurs épaules et on va voir comment ils arrivent à gérer cette pression. Les supporters des Ducs d'Angers qui sont tous debout pour la rentrée sur la glace des Ducs dans une ambiance de folie. Oui, on sent que le hockey sur glace français, cette fête leur a manqué, hein, même si elle n'a pas lieu à l'Accor Arena, elle a lieu à Cergy. Mais enfin un match à enjeu qui peut ressembler à un match de play-off, enfin un match à enjeu dans le hockey français, il n'y en avait pas eu depuis deux ans. Ouais, effectivement, ça nous avait manqué. Évidemment, ce n'est pas à Bercy, il y a des contraintes sanitaires. C'est vrai que c'est aussi un choix de remplir une patinoire. Là, on a vraiment cette impression de chaudron. Tandis que la formation sur le papier à l'extérieur, donc les Rapaces de Gap qui vont évoluer en blanc aujourd'hui, font leur entrée. Oui, et puis le hockey français est un peu chez lui ici à l'Arena Ice. Hein. Cette arena qui a été construite en collaboration avec la Fédération française de hockey, qui est effectivement le fief aussi des Jokers de Cergy. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle enceinte pour accueillir cet événement. Ça y est, les deux formations sont sur la glace. Les deux capitaines qui se saluent au milieu. Il y a Romain Gutiérrez d'un côté, de l'autre Patrick Coulombe. Gutiérrez, lui, qui a été l'un des héros du match précédent de la demi. Dans le derby, face à Briançon, il a été auteur du but vainqueur. Et il va voir son importance aussi, évidemment, pour cette grande finale. Oui, il y a Patrick Coulombe qui a déjà levé la Coupe de France. C'était avec Rouen. Et encore un joueur expérimenté et un joueur qui sait mettre des points aussi. Hein, parce que je pense que c'est le quatrième compteur de cette équipe d'Angers. Trois finales de Coupe de France, deux victoires pour Coulombe. Qui l'a soulevé cette coupe, évidemment, en tant que capitaine aussi, avec les Dragons, tandis que les alignements
s'annonce, s'affiche sur votre écran pour cette partie. On voit celui des Ducs d'Angers avec de la profondeur derrière, avec évidemment Patrick Colombo, on en a parlé. Il y a aussi Vincent Llorca qui revient de blessure, l'international français. Oui, et puis devant Ritz, joueur d'équipe de France. Hein, des internationaux. Gabory aussi. Il y a vraiment de l'expérience. Et voilà, et peut-être que l'expérience joue en faveur d'Angers. Ça, c'est avant le début du match. Les deux formations, ouais, qui se font face dans quelques instants. On va entendre l'hymne national français qui va être entonné. Allez, deux groupes de supporters qui font beaucoup de bruit. Hein. À notre droite, les Ducs d'Angers, à notre gauche, ceux des Rapaces de Gap. Et on écoute l'hymne national français. La Marseillaise sera interprétée aujourd'hui a cappella par Margot Bisfetti. Merci d'être venu. Ça y est, l'hymne national français a été entonné. On va pouvoir y aller dans quelques instants pour le début de cette grande finale de la Coupe de France. Et on a aperçu, et oui, les trios partant pour cette rencontre. Et il y a du très lourd sur la glace d'un côté, du côté des Ducs. Il y a Morin Bouvet, Philippe Allais, Tommy Giroud, les deux expérimentés. C'est donc le Français qui va être le joueur de centre de ces deux joueurs angevins. Et de l'autre, Romain Gutiérrez. Il y a Benjamin Lagarde. Chat de l'anglais en défense aussi évidemment, et le Letton Mikevix pour ce premier affrontement, tandis que le Russe, le géant qu'on avait découvert aussi la semaine dernière sur les antennes de sport en France face à Anglet est présent et va démarrer aussi cette rencontre en défense. Oui, l'immense Stoyanov, hein, qu'on a découvert effectivement la semaine dernière, peut-être le maillon le maillon manquant pour cette équipe de Gap, hein, qui peut-être apporté du physique. Oh que oui. Et une grande allonge. Une grande allonge. 2m06 sans lame. On peut rajouter quoi, une quinzaine de centimètres donc. Pour ce géant. Et Patrick Coulombe en défense, associé à Jared Smith pour démarrer du côté des Ducs d'Angers. On termine les préparatifs avant le début de cette partie. Oui, c'est le président de la fédération qui va effectivement donner le coup d'envoi fictif. Oui, Pierre-Yves Gerbeau, que vous pourrez entendre en interview exclusive sur Sport en France à la fin du premier tiers-temps. Oh, attention, de ne pas perdre l'équilibre, et il a bon reste quand même, même s'il n'a pas des patins. Et ils ont. Il est sur la glace directement, il n'y a pas de tapis. La photo traditionnelle, en tout cas, un gros challenge hein, qui attend les Rapaces de Gap en Ligue Magnus le mois prochain, avec 14 matchs à jouer en 28 jours. C'est un rythme NHL avec un match tous les deux jours quasiment. Ah oui, c'est clair, avec.
tous ces reports de matchs. Les matchs s'accumulent maintenant. On est revenu effectivement à un rythme normal. C'est pas une formation, celle des Rapaces de Gap qui est en grande forme pour le moment, en Ligue Magnus, en tout cas dernièrement, mais ils ont l'avantage psychologique, si on peut dire. Ils ont battu déjà deux fois cette saison les Ducs d'Angers pour une défaite. Oui, non, mais c'est vrai que, comme l'a dit le coach Eric Blé, hein, on pense pas à ce qui s'est passé, là, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, depuis que Gap est qualifié pour cette finale, ils sont focus sur cette finale. Et peut-être qu'ils ont un peu eu la tête arrière lors des derniers matchs. Mais on y est maintenant et c'est vrai que aussi cette équipe d'Angers qui a eu moins de matchs, hein, parce qu'ils ont été frappés par le Covid, et c'est vrai qu'ils ont eu moins de rythme ces derniers temps. Ils ont joué vendredi, hein, contre Briançon. C'était leur premier match depuis un petit bout de temps. Donc on va voir un peu quelle est la meilleure préparation pour une finale. On va voir qui c'est qui attaque le plus fort, avec deux préparations effectivement très différentes pour cause effectivement d'aléas Covid. Ça y est, on va enfin pouvoir y aller. Apparemment un petit souci au niveau de l'horloge. Chose réglée. Gutiérrez face à... Allez, pour le premier engagement de cette partie, les deux joueurs sont face à face et on va pouvoir y aller dans quelques instants pour cette finale de la Coupe de France. Et le premier engagement, il est remporté par Philippe Allais. La passe sur le côté. Allez, la première incursion en zone offensive pour les Angevins. Avec Giroud qui vient mettre la pression, il y a Lagarde et tout de suite Morin Bouvet qui récupère ce palais. Et Lagarde qui récupère de l'autre côté avec l'accélération, l'incursion en zone offensive de Lagarde. Le palais qui est mis en fond de zone. Mikelix, wow, la passe dans l'enclave. Oh, il a cherché son capitaine, oui. Gutiérrez qui n'est pas parvenu à lancer. Ouais, la passe était bien mais il n'a pas réussi à le capter vraiment. Il avait un joueur sur le dos, Gutiérrez, et il a shooté à côté. Bon, attention, il se lance en angle fermé. Ils sont contraints de repasser derrière, ouais, les hommes de Blé. Changement de bloc de deux côtés. Avec Chad Langlais, premier palais dans cette partie pour le défenseur mobile qui cherche Colotti. Ritz, la passe dans les patins pour Bouchard, le sniper. Le 1-2 avec Ritz, la passe sur le côté. Attention, il est passé Nicolas Ritz. Le tir est le premier arrêt de cette partie pour Junka et le lancer derrière qui est bloqué. Quelle occasion pour les Ducs. Ouais, Manning qui avait eu le rebond et il a été bloqué ce tir par la défense gapensaise. En tout cas, c'était une super incursion de Nicolas Ritz là, qui était rentré, qui s'était ouvert la possibilité de shooter. Très très bel arrêt de Junka. De l'intensité et beaucoup d'aller-retour là, de part et d'autre. Beaucoup d'énergie de dépenser dans ses premières secondes. Ritz avec Ritz, Gabory. Il temporise pour changement de bloc. Yorka, ouais, la passe, elle est bonne devant avec Sarliève. Qui est pris par Bourgeois dans le coin. On tente de récupérer ce palais du côté des Gapensés. Il y a Loïc Farnier pour venir aider son compatriote. Oh, attention avec cette situation, c'est bien joué. La passe sur le côté, Tussaud en position quasiment idéale. Le contrôle est manqué. Sarliève, la passe derrière, réclame une coup de crosse au poignet. Ouais, pour l'instant, les arbitres n'ont pas bronché. Ah, c'est parti encore en contre de la part d'Angers. Avec Sarliève, oui, la passe pour Torquato qui tente le 1-2. Torquato qui garde ce palais, il est pris là par Sierg. Nouvelle situation en zone offensive pour les Angevins avec Torquato à la bleue qui met ce palais en fond de zone. Axel Prissin qui vient mettre la pression et une charge sur le côté. C'est un joueur physique, Prissin, qui a remporté la Coupe de France avec Amiens aussi. Colombe, la passe sur le côté avec Jared Smith. On a remis le premier duo défensif. Avec Prissin sur le côté, la pression qui est mise par Riley Gunter. Ouais, on sort vainqueur des duels, mais attention, ce palais il est récupéré par Joubert. La passe sur le côté pour Robert. Le jeu sans prendre de risque là, de la part de Jared Smith. Ils sont parvenus à dégager ce palais, les Angevins, mais ça va vite revenir avec Joubert, buteur lors de la demi-finale. Belle relance là, de coller. Avec Smith. C'est parti. Les Angevins qui s'organisent. Riley Gunter qui vient mettre ce palais en fond de zone. Pas beaucoup d'arrêts de jeu depuis le début de cette partie. Ça joue. 0. Oui. Ça joue en continu. On ne veut pas faire d'erreur, évidemment. La discipline va avoir son importance dans ce match. Ardoa pour remonter ce palais. La passe devant lui avec Philippe Allais qui tente de faire la différence. Il a été pris là par Fort. Ouais, du côté d'Angers, là on arrive quand même à rentrer dans la zone et à créer des duels. Parce
qu'on n'arrive pas à faire gaffe pour l'instant, hein, parce qu'à chaque fois que le gap a envoyé le palais au fond, et ben c'est tout de suite ressorti. C'est Angers qui a récupéré le palais, alors que Angers arrive à rentrer, peut-être pas en contrôle, mais en tout cas à créer des duels. Là, on revoit l'occasion de Nicolas Ritz, hein, qui s'était incrusté. Le rebond est raté, mais en haut, c'est pris. Et on va voir que c'est bloqué par un défenseur qui a pensé. C'est bien pour le mettre en confiance, là, Julien Jumka, qui s'est fait très grand devant ses filets sur ce lancer de Nicolas Ritz. Premier arrêt d'un match est toujours très important. On est dans l'attente du côté de Evan Colley. De l'autre côté de cet arrêt, Bouvet. La passe derrière lui, attention, avec une situation. Le tir de Philippe Allais. C'est passé à côté, finalement. Tir en angle fermé qui était bien dévié derrière la cage par Jumka. Gutiérrez qui est pris par Bouvet. Gutiérrez qui tente de s'organiser, mais il y a une grosse pression, la mise par les Angers qui viennent récupérer ce palais, mais il se bat bien. Gutiérrez pour finalement dégager son camp. Ardoa derrière lui. Hors-jeu. Et ce palais finalement qui avait quitté la zone offensive là pour les Gapensés. Et voilà le premier arrêt de jeu. Oui. Premier arrêt de jeu après 4 minutes et 15 secondes. Il y a du rythme, il y a de l'intensité. Pas encore de but. On va dire que ça commence bien pour le moment. Les deux copes qui font beaucoup de bruit. Les Gapensés d'un côté, les Angevins de l'autre. Engagement en zone neutre avec Nicolas Ritz qui s'est procuré la plus grosse opportunité depuis le début de cette rencontre. Il fait face à Golicic. Et l'engagement, il est remporté par l'international français. Dussault, ouais, l'énorme charge là sur le côté de Colotti. Avec Gabory qui vient mettre ce palais en fond de zone. Ritz qui est le premier sur ce palais. Avec Gabory qui tente de s'échapper avec le palais. Ça a été bien couvert par Sirg. Sirg. Oh, attention, il vient d'avoir le contrôle du palais avec Bouchard. La faute. Oh, le tir qui vient toucher l'extérieur du filet. Ouais, mais ouais, quelle occasion pour les Ducs d'Angers et Danick Bouchard. Oh, qui manque finalement son face-à-face. Oui, ce turnover, Danick Bouchard qui s'est retrouvé à 2 contre 1. Il a effacé son défenseur. Il s'est présenté face à Jumka. Feinte à droite, il a essayé de marquer du revers et il n'a pas cadré son shoot. Alors voilà le premier shoot contre Colley. C'est Golicic qui s'est essayé face à Evan Colley. Mais quelle occasion. Bouchard, ils sont prévenus. Attention, les gars pensaient pas le droit à l'erreur. Ça a failli se payer très cher. Il rate pas souvent dans cette situation, Bouchard. Et c'est vrai que son shoot du revers, là, on va voir, perce le palais. Il avait une solution, hein, Bouchard. Ouais, il avait une solution, mais il avait choisi justement de se servir de son équipier pour... c'est l'arrêt, je pense qu'il a touché du bouclier. C'est possible Jumka. Qu'il la touche, Jumka. Il a touché du bouclier. Je pensais qu'il avait shooté à côté, oh, pas attention, du tout. La situation avec le tir de Dimitri Thier qui a été bloqué. La réaction des Rapaces. Les premières situations où les Rapaces ont le contrôle du palais dans la zone offensive. Le patinage du brillant Sonnet de naissance. Dimitri Thier, la passe sur le côté avec le tir. Evan Colley qui vient faire l'arrêt. Jared Smith sous pression qui vient trouver Lurka. L'international français qui remet ce palais jusqu'à Smith. La passe sur le côté, Sarliev. De l'autre côté pour chercher Torquato. Le trouve et vient mettre ce palais en fond de territoire. La pression qui est mise par Théo Sarliev. Et ce palais qui est récupéré finalement par Chapuis. Un peu esselé, il est entre 4 joueurs en Angevin. Ouais, il bien, le conserve bien, lui-même pour fait, le mettre en fond de zone. Il a temporisé et le temps que ses coéquipiers arrivent, oh, c'est encore Gap qui a le contrôle. Oui, Bourgeois, le tir ça a été bloqué par Joubert. Dévié devant les filets de Evan Colley. Oui, ça aurait pu mettre ce palais en dehors du contrôle du gardien Angevin. La passe sur le côté de Coulombe. Le 1-2 avec attention Didio Balsamo qui s'essaye lui aussi. Oui. Pour l'instant, Jumka est impeccable depuis le début de cette rencontre. Les rebonds, Jumka les donne sur les côtés. Il donne rien dans l'axe. Wender, finalement, c'est Bourgeois qui sort avec la possession de ce palais. Fort pour Joubert. Les gars pensaient avec la possession. C'est bien joué là, cette passe de Joubert. Finalement, le contrôle un peu long. Il n'a pas réussi à contrôler effectivement du patin. Wender. Non, c'était la gare, pardon. Allez, qui est mis en fond de territoire. Prissin face à Manning. Derrière les filets de Jumka avec Sirg. Qui cède de l'arrondi pour passer ce palais au Suédois, Lorraine. Allez, c'est bien joué, Mikelix. Mikelix, le tir en angle fermé. Ça a été légèrement dévié par Manning. Et ça vient toucher l'extérieur du but de Evan Colley. Prissin
Christian qui met ce ballon au fond de territoire. Mikelix avec Sirg. Oui, le tir qui a été dévié. Correa. Et devant lui, Correa pour Golicic. Ils sont très agressifs hein, en défense, les Angevins. Ne vont pas les récupérer. Giroud avec Morin Bouvet. Ouais, le français, Morin Bouvet qui se retourne. Temporise. Va chercher en haut. On la trouve à la bleue avec le lancer qui a été bloqué par Correa. Et derrière, on parvient à se dégager. Et il y a une situation de 2 contre 2 avec Colotti qui tente de passer. C'est pas évident face à Patrick Coulombe. Ouais, Golicic, c'était lui qui s'était retrouvé devant la cage hein, pour contrer ce palais, ce shoot, et qui avait fait la relance dans l'axe. Attention au changement des Angevins avec le tir de Correa. Le lancer bien arrêté par Evan Colley. Sans rebond laissé, ce sera un engagement en zone offensive à venir pour les Rapaces. Et ben, dis donc, on parlait d'une finale fermée. Hein, en tout cas, ça va. Ce n'est pas le cas. Ça va, non, pas du tout, parce que ça s'ouvre de part et d'autre. Hein, quand il y a une occasion d'un côté, ça part de l'autre côté. Et il y a occasion aussi. On voit toutes les on voit Golicic hein, qui était devant son gardien, qui a récupéré le palais, qui a contré le palais, qui l'a renvoyé dans l'axe, et ça a donné une occasion pour Gap. Il y a beaucoup d'envie dans ces 10 premières minutes de cette finale. Attention avec la crosse qui traîne. Ouais. Les arbitres n'ont pas branché. Ouais. Le sifflet doit être brûlant en même temps dans cette finale. Il faut vraiment y aller hein, pour donner une pénalité avec Dmitri Tillet qui est pris sur le côté avec Nicolas Ritz, Lorraine. Tillet derrière lui, Roa, attention, Lorraine qui se retourne, Lorraine dans le coin, trouve l'anglais à la bleue, l'anglais, le geste technique de l'anglais, mais il y avait Dussault qui était placé devant lui, l'énorme charge du défenseur des Ducs qui vient mettre une nouvelle charge dans le coin. De ressortir avec la possession du côté de Gap et ses chaussettes avec le tir de Lorraine le Suédois qui donne l'avantage au Rapace de Gap. Le palais récupéré dans le coin et derrière le lancer en pleine lucarne qui vient tromper Evan Colley. Oui, car il y avait du ménage qui était fait dans ce coin-là. Dussault était plusieurs fois à faire les mises en échec, mais finalement, eh ben, c'est le joueur suédois qui a pensé, qui est sorti de ce coin, qui a pris sa position préférentielle et lucarne droite. Colley ne pouvait rien faire sur ce shoot, vraiment était à la cage. Là on voit, il sort du coin, il a effacé son vis-à-vis et la lucarne droite avec en plus du monde devant la cage. Un shoot parfait hein. Il a décroché la toile d'araignée comme on dit. Et ça fait 1-0 pour Gap. Ah, il est beau ce but des Gapensés. Et on a un but déjà dans cette partie. Et derrière, la réaction est attendue du côté des Ducs d'Angers avec ce palais qui est mis directement sur Julien Junca pour obtenir un engagement en zone offensive. Ah ouais, c'était la première fois que Colley était vraiment challengé là. Et le joueur a trouvé le tir parfait côté mitaine. En tout cas, on le sentait venir hein, parce qu'il y avait eu des occasions de part et d'autre. C'est vrai qu'il y en avait plus eu du côté d'Angers, mais Gap a trouvé la faille à quasiment sa première grosse occasion. La passe sur le côté de Bourgeois qui vient trouver Chapuis. Ça donne des ailes à cette formation, ce but inscrit avec lancé. Oui, de Robert qui passe à côté, défilé de Evan Colley. Sarliève, la passe derrière lui. Et comme le disait le capitaine Gutiérrez, hein, c'est vrai qu'il y a des jeunes, il y a des plus anciens. Donc il faut canaliser la fougue des jeunes. Mais en tout cas, là, les jeunes, ça les a fouetté ce but et ils sont en train d'emballer ce match. Et Johan Lorraine, il a attendu le meilleur moment pour marquer son tout premier but en carrière avec les Rapaces de Gap. Et on va le revoir. Là, on voit cette bataille dans le coin. Hein. Il a réussi à sortir et à s'extraire, le joueur suédois, pour aller vers la cage. Hein. On a l'impression que du côté d'Angers, on était en homme à homme. Mais une fois qu'il y a un joueur qui est sorti de ce marquage, et bien personne n'a été là pour s'interposer. Junca pour Prissin avec Mikelix. La passe pour Gutiérrez. Derrière, qui vient trouver la garde. Derrière lui, pour Sirg avec Gwenter. Tente de récupérer. Ils sont agressifs, les gars, pensés sur cette situation avec Gutiérrez dans le coin. Le tir qui a été bloqué. On tente de sortir du côté des Ducs. Et ils y parviennent derrière. Prissin devant lui.
La Garde, l'incursion en zone offensive de La Garde qui conserve ce palais. Bon, c'est bien joué de la part de La Garde, très solide là sur ses patins alors qu'il est pris par plusieurs joueurs. Oh, avec un pas sur le côté, le tir de Mikevix, oh, qui est arrêté par Ivan Colis, c'est pas terminé. Oleg Sosunov, le lancer et le sacrifice du capitaine des Ducs, Patrick Coulon. Ouais, ouais, qui s'est mis à genoux là pour contrer ce shoot. Giroud qui cherche, allez, finalement il va voir Yorka avec Golicic. La passe pour l'anglais, attention à ce palais récupéré. Wow, le tir de Philippe Allais. Oh, ça passe juste à côté des filets de Julien Jouka. Tir un peu écrasé, mais j'ai l'impression que Jouka l'a encore touché du bouclier. Giroud, très agressif. Giroud qui se retrouve devant là, les filets de Jouka. Ce palais qui traîne, grosse lutte pour le récupérer. Les joueurs qui a pensé là. Et l'anglais qui a perdu sa crosse. Mais attention, on tente de profiter du côté des Ducs avec le tir qui est bloqué. Et derrière Dusson qui vient conserver ce palais en zone offensive avec Philippe Allais qui est pris par l'immense Oleg Sosunov qui vient faire beaucoup de bien à cette défense des Rapaces qui peuvent se dégager. Collet qui sort. Oh, le palais a failli sortir. On a frôlé le retard de jeu effectivement de la part de Evan Collet. 1 minute et 35 secondes, encore à faire avant la fin du premier tiers-temps. Et Bouchard qui accélère, qui est chargé sur le côté par Roy. Roy, la longue passe sur le côté pour trouver Correa. Cherche Bourgeois. Il s'est récupéré par Manning. Accélération de Romain Gabory. Attention, il tente de prendre de vitesse tout le monde. Romain Gabory qui se retourne. Le tir est encore un arrêt pour Julien Jouka qui est très bon dans ce premier tiers-temps. Oui, oui, parce que Gabory avait super bien débordé. S'était débarrassé de son vis-à-vis. Revenir devant la cage et Jouka est resté sur ses appuis. Il a attendu que le shoot parte pour bouger. Ah, que c'était bien joué de la part de Romain Gabory. Qui s'est retrouvé dans une superbe posture là pour lancer. On le revoit sur ce ralenti. Et Jouka qui vient faire l'arrêt. Oh, attention à cet engagement remporté en zone offensive par les Ducs avec le lancer de Manning. Et il y a un patin qui a touché ce palais. Et derrière, les Rapaces qui peuvent partir en contre avec Joubert. Et qui se rappelle de bons souvenirs évidemment ici. Joubert qui a remporté championnat de D1 avec les Spartiates. Il avait brillé. Le voici justement Joubert, la passe pour en Chapuis en super bonne posture, le tir très, sur très réception et l'arrêt de Evan Colley. Oui, Colley a dû donner un rebond dans l'axe et heureusement pour Angers, personne n'était là pour prendre son rebond. Attention à cette nouvelle offensive pour les Rapaces de Gap, le tir dévié qui vient finalement passer au-dessus des buts d'Evan Colley. Smith, ouais, qui est finalement le premier sur ce palais, tente de prendre de vitesse Sirg qui vient mettre la pression et qui vient récupérer ce palais. C'est bien joué de la part du défenseur des Rapaces. La Garde, quelle intensité dans ce premier tiers-temps. 7 minutes et 13 secondes encore à faire. Mikevix, le laiton qui tente de trouver et il y parvient. Romain Gutiérrez. Et ce palais finalement récupéré par la défensive des Ducs. Mais mésentente et finalement Oleg Sosunov qui redonne la possession en zone offensive aux Rapaces. Gutiérrez. Derrière les filets de Collet. Gutiérrez derrière pour Oleg Sosunov. Attention à son énorme lancer. Le tir sans rebond laissé là par Evan Collet. Oui, en tout cas, une bonne partie de sac à dos qui était prise par Angers. Là, tout le monde avait son joueur. Mais on n'a pas pu empêcher Sosunov de shooter avec effectivement un joueur devant la cage qui aurait pu prendre le rebond ou gêner Collet. Là, on voit le joueur qui arrive juste au moment où le palais arrive. Correa avec Golicic qui vient trouver Colotti. Colotti devant lui pour trouver Colotti. C'est finalement Correa qui récupère. On remonte, action de cycling. Hein. On remonte vers la long de la bande et on remet dans le coin. Et les joueurs tournent. Postian Golicic derrière lui pour Colotti. On a bien fermé la porte devant les buts de Collet. Oh, bien trouvé. Attention avec la passe là pour Chad Langlais. Le tir qui a été bloqué par Ellie Gunter. Colotti, une belle séquence de possession là. Attention avec la passe au deuxième poteau. Et Bosjan Golicic qui vient marquer le but du break dans cette finale de Coupe de France. 2-0 pour les Rapaces alors qu'il reste 6 minutes et 8 secondes à faire avant la fin du premier tiers-temps. Oui, et je pense que c'est Correa qui était là, qui est ressorti au premier poteau. Et il a trouvé une petite passe au deuxième poteau. Golicic, Golicic qui est capable bien sûr de marquer les buts à cet endroit-là.
Et toute cette séquence de cycling, cette séquence de possession de Gap a été récompensée. Là, on revoit effectivement, ça sort au premier poteau. Et je crois que c'est Correa qui se trouve au deuxième poteau. Mais oui. Oui, voilà, il récupère le palais. Et il va aller chercher au deuxième poteau ce palais qui est là tranquillement. Golicic que personne n'a suivi. C'est 2-0 pour Gap. Ils sont morts de faim dans ce premier tiers-temps. Les rapaces de Gap qui sont à la recherche d'un premier pénalité. Trophée Pete la Liberté de leur histoire. Ouais. Et le bras de l'arbitre qui est levé. Et il va y avoir une première pénalité dans cette rencontre. La réaction des Ducs d'Angers qui ne s'est pas fait attendre avec cette première pénalité provoquée dans ce match. Et attention, attention, ils sont très dangereux dans cette disposition. Ouais, bien sûr, parce qu'ils sont à, en championnat, ils sont à 30% de... Alors là, on revoit le but là, d'un autre angle, effectivement. Un très très beau but. Mais c'est vrai que ces Angers 20 sont à presque 30% en championnat, 28%, qui est déjà énorme. Et en Coupe de France, ils sont à 50%. Donc c'est ça. il faut se méfier vraiment de ce powerplay Angers 20. Et avec Allé, Giroud, bien sûr. Gabory, Coulombe. D'autant plus que Bouchard. Les gars passés en piqué sont pas excellents hein, puisqu'ils sont à 77%. Les stars de cette formation des Ducs sont bien présentes sur cette supériorité numérique et ils sont bien installés avec Giroud, la passe en bas pour trouver Philippe Allé. Une 40 à faire encore dans cette disposition. Philippe Allé, on fait bien circuler du côté des Ducs, la passe pour Colombe avec Bouchard. Ouais, la passe qui est bloquée par Robert et ce palais qui est récupéré par Prissin. Et tout de suite, deux joueurs sur lui et Allé qui vient le récupérer. La passe pour Giroud. Attention, situation là à venir avec la passe pour Allé, ce palais qui traîne. Prissin qui vient faire le ménage une fois de plus. Et on tente de se dégager du côté de Robert. On n'y est pas parvenu. Le palais qui est conservé en zone offensive là par les Ducs d'Angers. C'est peut-être un nouveau tournant dans cette finale. Attention avec Allé, la passe pour Giroud. Les deux compères qui se trouvent bien. Giroud pour retrouver Allé. De l'autre côté pour Bouchard. Attention à son gros lancer. Bouchard qui cherche une ligne de tir. Il y a du sacrifice hein, devant lui. Le décalage pour Colombe qui vient retrouver Bouchard. L'énorme tir de Bouchard. Et l'arrêt de Julien Junca qui vient couvrir son rebond avec son gant d'attrape. Vous voyez Bouchard qui est resté longtemps dans sa position préférentielle à la Ovechkin ou Stamkos, hein, et qui là est venu dans le milieu pour permuter avec Colombe. On lui a redonné, il a trouvé un très très lourd shoot dans l'axe et le rebond qui a été disputé bien sûr a été récupéré par Junca. Engagement en zone offensive à venir pour les Ducs d'Angers. L'engagement est perdu et il reste 50 secondes à tenir pour les rapaces de Gap. Et c'est le deuxième powerplay Angevin qui est sur la glace avec Bouvet. Là, il y a des joueurs qui peuvent faire la différence. Bien sûr. Jared Smith pour trouver Bouvet à gauche. Il cède de l'arrondi pour trouver Nicolas Ritz. Ritz. Et la passe qui est bloquée par Colotti qui tente de dégager son camp. Le palais qui revient jusqu'à Joubert qui le dégage et qui met ce palais en fond de zone. 25 secondes encore à faire dans cette disposition. Et les rapaces qui tiennent bon. Manning. L'accélération de Manning pour retrouver Ritz. Ritz, la passe derrière pour Smith. Attention, Jared Smith pour Manning. C'est le dernier shoot de cette supériorité numérique. Le tir, le rebond. Oh, et le tir derrière qui passe à côté des filets de Julien Junca. Bouvet qui avait récupéré ce rebond, qui n'a pas pu cadrer son shoot. Le voici, Bouvet. Bouvet avec Ritz. On est à 5 contre 5. Bouvet avec Gutiérrez, le capitaine qui vient montrer l'exemple. Et dégager son camp. Le retour à 5 contre 5. Ils ont bien tenu les rapaces de Gap. Malgré un avantage numérique bien huilé des Ducs d'Angers. Serreur. Palais qui arrive jusqu'à Didio Balsamo. 3 minutes et 17 secondes encore à faire. Oh, Balsamo qui a cherché. Yorka. Frappé Junca. Le tir lointain de Yorka avec Riley Gunter. Sosunov qui tente de dégager son camp et trouve Colotti. À gauche, Colotti pour l'Anglais. Chad l'Anglais. Très mobile, défenseur. Attention à ce palais au deuxième poteau. Oui. Oh, qui a failli revenir. Oui, sur Colotti. Quelle situation encore là pour les rapaces de Gap. L'Anglais. Bouvet. 2 minutes et 47 secondes encore à faire avant la fin du premier acte. Et Philippe Allais qui vient mettre la pression là sur Oleg Sosunov. Et son 2m06. La passe interceptée par le premier buteur de cette partie.
Joanne Lorraine. Il est tombé, Lorraine. Oleg Sosunov pour trouver Louis Sirg. Derrière, le Russe, de nouveau avec la possession de ce palais. Sosunov devant lui pour Dimitri Tsiyé. Oh, le geste technique, il est passé face à Philippe Allais et finalement il perd la possession. Attention à Giroud. Giroud qui tente de lancer, c'est bien défendu de la part de Louis Sirg. Waouh, il a pris une mise en échec là. Ils mettent la pression, ils veulent marquer avant la fin du tiers, les Ducs d'Angers. Philippe Allais. Allez, la passe derrière à la bleue pour Jared Smith. Le tir, la déviation, le rebloqué, saisi par Philippe Allais qui réduit l'écart dans les deux dernières minutes de ce premier tiers-temps et qui relance ce match. Oui, on sentait vraiment la pression d'Angers qui voulait absolument marquer après cette supériorité numérique malheureuse. Et ben, ils ont mis la pression. Et là, suite à ce shoot de la bleue, shoot de la pointe qui, je pense, a été dévié, qui a donné le rebond devant Junka. Et c'est Allais, l'inévitable Allais qui a fini le travail. Junka avait un effort trop grand à faire, enfin un déplacement trop grand pour récupérer ce rebond. En tout cas, Angers revient à 2-1. Là, on voit le shoot de la bleue dévié, et Junka ne peut pas faire ce déplacement. Allais le crucifie. Je pense qu'il est dévié, ce palais. Junka, ouais. Derrière lui avec Joubert. Philippe Allais, évidemment, lui qui a marqué 17 buts cette saison en Ligue Magnus pour 38 points. A marqué son troisième but en Coupe de France cette saison. Un but qui vient faire énormément de bien au Duc d'Angers. Très très important de marquer comme ça. Parce que rentrer au vestiaire à 2-0 ou à 2-1, c'est pas la même chose. Coulombe. Face à Lagarde. Attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot, les Ducs. Ils continuent de mettre la pression avec Gabory. En pivot, le palais qui arrive jusqu'à Bourgeois dans le coin. Bourgeois, ça a été intercepté par Torquato. 1 minute et 5 secondes encore à faire. La passe pour Dussault, le tir de Dussault. Attention, ça a été repris. Et l'égalisation. Mais quel match déjà dans ce premier tiers-temps. Ça fait deux partout. Le tir à bout portant et Junka qui est battu pour la deuxième fois du match. Mais oui, encore un peu la même situation. Un shoot de Dussault, je pense, de la bleue. Mais là, c'est Torquato qui l'avait intercepté, ce palais, et d'un tir en pivot, il avait son défenseur dans le dos, un tir en pivot, il a trouvé le bas de la cage de Junka. Junka a juste pu dévier ce palais, et en tout cas, en une minute, en quelques secondes. Oui, en une minute. Et là, on voit le shoot, là, et en fait, Torquato, là, a intercepté le palais du patin, et sur un tir en pivot, et ben, il tire sous le bouclier, je crois, de Junka, c'est deux partout, tout est relancé bien sûr à une minute de la fin de ce tiers. Gutiérrez, l'engagement face à Philippe Allais. Et attention, il continue de pousser les Angevins. Ils se sentent pousser des ailes avec ses deux buts inscrits en une minute. Yorka sur le côté, 47 secondes encore à faire pour prendre les devants. Imaginez que Angers prenne les devants dans ces deux dernières minutes de ce premier tiers. Bouvet, la passe sur le côté avec l'Anglais qui tente de récupérer ce palais. Sursounov dans le coin avec Lagarde, 33 secondes encore à faire. Et le jeu qui se passe beaucoup dans cette zone défensive, dans cette fin de tiers-temps du côté des Rapaces. Et attention, de l'autre côté avec Lagarde, le tir qui passe à côté des filets. David Colley, il y a eu Le rebond qui avait tapé derrière la cage et était revenu presque dans la cage de Colley. Et on va finir là, il reste 10 secondes. Et on temporise tranquillement derrière les filets avec Yorka qui cherche et trouve une solution sur le côté. Attention, il reste moins de 3 secondes. Il faut lancer du côté de Tojmi. Giroud, il y parvient. Et le tir qui a été bloqué par Oleg Sosunov. C'est la fin du premier tiers-temps de cette finale de Coupe de France entre les Rapaces de Gap qui avaient fait le plus dur, qui menaient 2-0. Et puis il y a eu ces deux dernières minutes complètement folles de la part des Ducs d'Angers qui ont réussi à inscrire deux buts. Oui, on avait parlé d'une finale fermée, mais pas du tout, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Et c'est vrai que Gap avait quand même ouvert le score et avait doublé la mise. On sentait un peu ces Angevins pas en train de perdre de pied, mais en tout cas au score c'était quand même important. Et puis ils ont continué, les Angevins, ils ont mis la pression, ils ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient et ils ont réussi à vaincre le Junka deux fois de la même façon, un shoot de loin et un rebond à bout portant. Et donc voilà, on en est à deux partout, tout est à refaire pour les deux équipes. Ouais, tandis que j'ai l'impression que notre ami Franck Pateau est avec
Philippe Allais, un des buteurs de cette rencontre. Oui, c'est ça, Philippe. Philippe, on va le laisser se reposer un peu parce qu'il est complètement mort. Mais bon, Philippe, c'est quand même un tir tant de fou de partout. Quelle est l'analyse de cette première partie? Ouais, je crois qu'il y avait beaucoup de nervosité en début de match. La part des deux équipes, ils ont bien réussi à marquer les deux premiers buts. Mais encore une fois, notre caractère a fait ses preuves encore une fois. Puis on a réussi à revenir de deux buts. Puis maintenant que la pression est retombée un petit peu, on va être capable de s'installer dans le match. Est-ce que la tactique du coach, elle n'a pas été appliquée au début, la tactique du coach, ou finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois pas vraiment que c'est la tactique du coach. Je crois que c'est juste un petit peu la nervosité. Le fait de jouer une finale, encore une fois, c'est toujours stressant. C'est juste une nervosité un petit peu, puis on a réussi à la chasser assez rapidement. On a passé à travers la tempête les deux premiers buts, mais on a réussi, comme j'ai dit, à revenir. Philippe, en tant que buteur de cette équipe, je crois que maintenant, ça vous fait le boulot. Pardon? En tant que buteur de cette équipe, ça vous fait le boulot maintenant. Oui, exactement, c'est certain. Je crois que c'est à nous de faire le boulot. On a réussi à revenir à égalité après le premier tiers-temps. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait cru ça, donc maintenant, c'est à nous de faire le boulot puis de réussir à fermer le match. Merci, allez, reposez-vous bien, vous l'avez mérité. Oui, Philippe, allez, on parlait de nervosité au début de cette rencontre. Là, ils ne le sont plus maintenant, hein. C'est clair qu'effectivement, la glace a été brisée. Ils ont réussi à s'en sortir pas trop mal, effectivement, à égaliser dans cette dernière minute. Et voilà, en tout cas, cette licence, cette finale est super lancée et deuxième tiers. On se régale et on écoute. Très, très important. Oui, effectivement. Et on écoute tout de suite le président de la fédération dans une interview exclusive Sport en France. C'est Pierre-Yves Gerbois. À tout à l'heure. Bonjour Pierre-Yves, pas de finale de la Coupe de France à Bercy, c'était une volonté de le faire dans un stade plein plutôt que dans une grande arène vide. Oui, absolument, et puis Sergi est quand même une belle patinoire, mais c'est vrai que mettre 2000 personnes en dehors du problème majeur économique bien sûr, mais faire la grande fête du hockey sur glace français comme on le fait tous les ans à Bercy, c'est pas dramatique, c'est un peu triste parce qu'on n'a pas pu bien sûr inviter tous les gens qu'on devait inviter. Maintenant, on est dans une belle patinoire, on a rempli, on va essayer de faire la belle fête et faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme dirait l'autre. Quel plaisir, j'imagine, de retrouver cette grande finale de la Coupe de France. Vous venez d'en parler, c'est avant tout une grande fête. C'est vraiment notre événement majeur de l'année et ça permet de encore une fois célébrer tout et puis de montrer la qualité de notre hockey, surtout sur notre Magnus. Et puis c'est une très belle finale, donc on espère que ça va être à la hauteur de nos attentes, vu que ça fait 2 ans qu'on attend. Hein. Vous êtes président de la Fédération française par intérim, il y a cette volonté de l'être de manière permanente. Quelles sont les grandes lignes de votre programme? Alors là, oui, maintenant je suis CDD, ouais. Je tente le CDI, donc on va se présenter. Alors c'est, encore une fois, ce n'est pas une élection d'un homme, mais c'est une équipe. Oui. Donc on est en train de bâtir le projet ensemble, il faut que tout le monde se l'approprie et après le présenter à nos clubs. Encore une fois, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait survivre notre sport dans un moment dramatique qui a été depuis 2 ans maintenant la crise Covid. Je pense que la fédération a su être là quand il fallait, taper dans ses fonds propres, etc. Donc on a un vrai vécu là-dessus, ce qui aide beaucoup, en tout cas cette année, avec même s'il y a encore beaucoup de reports de matchs, etc. On est beaucoup plus serein, on sait faire, le management de crise ça a été bien fait. Il y a une vraie levée de bouclier, bien au contraire, mais en tout cas il y a une vraie prise de conscience des clubs, tout le monde travaille plus ensemble. Donc je pense que s'il y a une chose à tirer, c'est toujours très compliqué de tirer quelque chose d'une crise d'une telle ampleur, mais en tout cas le hockey français a su serrer les coudes et à se mettre ensemble pour essayer de survivre, et on a survécu. Donc encore une fois, il n'y a pas eu d'hécatombe comme c'était annoncé sur l'ensemble des divisions, donc on veut bâtir là-dessus. Et puis après, encore une fois, même si on doit énormément à notre président fondateur Luc Tardif, on a une ambition différente. On veut vraiment maintenant les bases ont été posées. Maintenant, je pense qu'on doit passer un cap, on doit passer à maturité, que ce soit sur le développement, la formation ou le haut niveau. Il faut vraiment qu'on mette un coup d'accélérateur et qu'on ait le moyen de nos ambitions. Alors encore une fois, on est une petite fédération, le domaine économique est toujours extrêmement important, mais encore une fois,
on est plus des gens entrepreneurs que des gens d'association, donc ça apporte une autre image, une autre dynamique, une autre dimension managériale. Donc, je dirais pas le changement dans la continuité ou la continuité dans le changement, mais le changement c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, il y a eu une jeune fédération, hein, Luc Tardif et Eric Repère l'ont créé en 2006. Donc, il y a eu beaucoup d'événements d'événements majeurs qui sont passés au sein de cette fédération. Donc là, c'est le moment de se poser, de réfléchir et de se dire c'est quoi l'ambition à court terme avec les enjeux qu'on a sur les championnats du monde féminin et masculin, mais aussi sur notre développement, sur notre formation, sur le modèle du hockey français et puis relancer un petit peu le modèle économique parce que, comme tout le monde, hein, on est un grand club en fait. Hein, on a perdu des sponsors, on a perdu des revenus. Nos coûts, à partir du moment où on veut avoir des ambitions, bah, augmentent, nos coûts fixes comme nos coûts variaux. Donc, il faut vraiment qu'on ait une approche très entrepreneuriale pour dire comment on emmène la belle institution en la transforme en machine de guerre. Et du coup, c'est quoi l'ambition ? Vous venez d'en parler d'un point de vue sportif. L'ambition, c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, on doit taper vraiment aux portes des cartes finales. On doit déjà être institutaire du groupe A. Et puis après, c'est toujours la même problématique de la qualification pour les Jeux Olympiques. Oui. Je pense que nous, on doit mettre les moyens et puis se structurer de la bonne façon pour avoir une pérennisation à long terme de nos performances. Il faut aussi qu'on soit aidé par rapport au comité international, au comité olympique international, qui réduit le nombre d'équipes présentes sur des JO, que ce soit en féminin ou masculin. Donc, ce qui fait que quand on voit nos féminines qu'on fait y taper la cinquième nation mondiale, c'est pas jouer à grand chose. Ouais, mais c'est cher. Et c'est pareil quand on doit taper la Lettonie en Lettonie alors qu'ils sont, eux, aux portes des demi-finales mondiales depuis un moment. On avait la meilleure équipe possible. Encore une fois, beaucoup de regrets, mais aucun. Beaucoup de déceptions, mais aucun regret. Les joueurs ont été exceptionnels, les joueuses aussi, mais on doit avoir un petit coup de pouce des JO parce que, encore une fois, là, quand on regarde la maturité du hockey européen, le hockey européen ne va pas se développer en Suède, en Finlande, en République tchèque ou en Russie. C'est des pays matures. Donc, les grands pays par rapport au bassin de population, c'est la France, la Grande-Bretagne, l'Italie. Donc, et on le sait, les fédérations internationales sont toutes les mêmes, ou fédérations nationales, c'est pour exister, il faut être olympique, partout. Donc, même si nous, on est des bons élèves parce qu'on est en bande parallèle, on est très autonome, on n'est pas chronophage en termes de demande à l'État de nous aider, on a toujours eu des bonnes notes de ce côté-là. Mais c'est vrai que quand on va voir M. Onesta à l'ANS et qu'on lui dit on est en division 1A, ah, non, mais c'est vachement bien quand même, hein. Il nous dit nous, on fait des médaillables, nous, on n'est pas olympiques. Donc, c'est compliqué. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été très autonome, d'avoir été toujours des bons élèves, on n'a pas tapé à la porte du tout pendant la crise sanitaire, etc. Donc, il y a un a priori très positif vis-à-vis du question français, mais d'un autre côté, encore une fois, c'est à l'heure de 2024, on passe à la haute performance, on passe... Donc, je pense que la volonté étatique et de l'Agence nationale du sport de continuer de nous aider et d'aider notre DTN, qui vraiment a énormément progressé, c'est un petit peu se remettre en question et leur apporter un petit peu un nouveau modèle. Donc, c'est pour ça que je dis on doit changer, on a les bases solides, maintenant on doit passer à un autre cap. D'accord. Et ça passe par, d'abord, développement des outils, parce que si vous n'avez pas de patinoire, on a une patinoire pour 500 000 personnes en France, c'est pas possible. Donc on a réussi à pratiquement rattraper le niveau de licenciés de pré-Covid. Donc là, on peut être très fier. Et ça, encore une fois, on passe notre temps à célébrer les résultats et des choses comme ça. Je pense que le sport français s'est appuyé sur un modèle, alors bon ou pas bon, mais il s'appuie sur les bénévoles. Et pour bien connaître le problème, les bénévoles dans les clubs qui viennent passer 2 ans à se faire taper dessus, à essayer de survivre, trouver des solutions, garder leurs licenciés, pérenniser leur modèle. Et nous, c'est pareil, à la fédération, il n'y a pas un élu qui est rétribué. Donc c'est vrai que c'est difficile et qu'il ne faut jamais oublier de dire merci parce qu'on a survécu grâce à ces personnes-là. Mais c'est vrai que pour faire un match comme ce soir, la table de marque, par exemple, pour faire finale de Coupe de France à Bercy ou à Cergy Pontoise, oui, c'est génial, il y a des coups d'éclairage. Pour faire un match de U9 à 8h le matin un dimanche, c'est moins glamour. Oui. Donc tous ces bénévoles, qu'ils soient fédéraux ou dans les clubs, je pense que... Et j'en discutais avec Brigitte Henriquez, qui est la nouvelle patronne du CNOSF, qui est extraordinairement, incroyablement bonne. C'est ça aussi l'esprit, c'est qu'il faut quand même
réfléchir un petit peu comment on remotive et comment on reconnaît tous ces centaines ou dizaines de milliers de bénévoles qui œuvrent tous les jours pour faire survivre leur sport, leur club et leur organisation. Donc ça, c'est une vraie problématique parce qu'on sent qu'il y a un essoufflement. Tout repenser, oui, finalement. Ouais. Donc, maintenant, on ne va pas avoir, c'est plus le modèle du sport français, avoir 10 conseillers techniques nationaux en plus. Donc, on a plus de contrats privés, on a plus de contraintes économiques. Donc, il va falloir s'adapter. Mais en tout cas, il faut se démarquer, il faut être ambitieux. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus et dire on va gagner des milliers olympiques. Mais en tout cas, il faut vraiment... On est arrivé à un niveau de maturité où on peut se permettre de dire au lieu de faire la prochaine Mars, on va sauter le prochain étage. Et c'est ça un petit peu le but. Donc comme on disait, les patinoires, plus il y a de patinoires, et ce n'est pas que des nouvelles patinoires dans les autres endroits, pour bâtir un club de hockey qui devient performant, il faut 10 ans. C'est comme un joueur ou une joueuse, il faut 15 ans. Donc, pour créer des joueuses et des joueurs, et pour créer des bénévoles qui comprennent ce que c'est de faire un club, il faut non seulement regarder dans les déserts, mais c'est Cergy Pontoise, plus grand club français, 500 licenciés, il y a 2 patinoires, un plus de place. Rouen, Grenoble, toutes les machines de guerre aujourd'hui qui sont les dominants du hockey français, il faut absolument leur donner plus de moyens et plus d'outils. En même temps, en parlant aussi, alors je suis un grand fan de Nathalie Péchala à la Fédération Française des Sports de Glace, et il est inconcevable que la FFSG se pointe au ministère en disant « je veux plus de patinoires » et nous on débarque l'après-midi, le hockey sur glace veut aussi, donc il faut qu'on y aille ensemble. Donc là aussi il y a une vraie réflexion. Réfléchir ensemble. Voilà. Donc je pense qu'encore une fois, je pense qu'il y a énormément de bonne volonté et je pense que le Covid a rapproché les gens. J'essaie de prouver du positif dans le négatif, mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de dire on ne va pas y arriver tout seul. Et si on fait tout seul, il va falloir générer des énergies et des bonnes volontés tout autour de ce nouveau projet. Et c'est vrai que c'est un départ parce qu'il se faut d'être ambitieux. Pour finir, un mot sur le championnat du monde féminin. Je suis trop féminin. Long de traite de bavard. Je ne me permettrai pas. Non, mais bien sûr, vous devriez vous permettre. Un mot sur les championnats du monde féminin qui vont avoir lieu en France. Et à Angers. Ouais, ça va nous permettre un petit peu de d'éponger nos plaies sur les 2 TQO qui ont été incroyables mais très dramatiques en finale. Savoir que par exemple les filles et puis toute la génération des hommes, c'était leur dernière chance d'être olympique. On a beaucoup de trentenaires, donc c'est très dur pour eux. Mais maintenant d'avoir effectivement saluons M. Yorick Trey, notre entraîneur national des U20 et qui travaille avec Philippe sur les seniors. Championnat du monde groupe 1B, on monte en groupe 1 avec les U20, c'est notre premier titre, donc je respire un peu mieux. Et puis c'est vrai que c'est un coup d'éclairage, c'est une patinoire extraordinaire, c'est un grand club, aller se mettre pour essayer de remonter avec nos filles à Angers, ça va être encore une fois une belle fête et j'espère un coup d'éclairage et médiatiquement que ça va être très bien suivi. Il y a un véritable engouement, ça fait 3 ans qu'on l'attend, hein. Ouais. 3 ans qu'on est obligé d'annuler à cause du Covid. Mais ce qui était intéressant, je parlais avec Michael Jury qui est le président du club, il y a toujours autant de motivation, il a rencontré son maire, son aglo et tout le monde, on est reparti. Donc, espérons, touchons du bois pour avoir été victime de Delta, 3 vaccins et maintenant j'ai eu l'Omicron pour Noël, c'était vachement sympa. J'espère qu'il va nous foutre la paix, sincèrement, cette horrible maladie et qu'on va pouvoir enfin vraiment mettre un coup de phare. Mettre un coup de phare à Angers au mois d'avril. Et puis il ne faut pas oublier que début mai, on est en Slovénie, à Ljubljana, pour les hommes, pour absolument essayer de remonter en groupe A. Un grand merci, Pierre-Yves, d'avoir répondu. Plaisir, merci de m'avoir accueilli. Question, et puis je vous souhaite une très bonne finale. Merci beaucoup. Merci. Des belles échéances pour le hockey français à venir en 2022, pour oui, les filles enfin, et pour enfin, les garçons. Enfin, les événements qui arrivent et j'espère qu'on va pouvoir aller effectivement au bout de ces événements et après, bien sûr, remplir les objectifs. On est à quelques minutes du début de ce deuxième tiers-temps de cette finale de Coupe de France entre Gap et Angers. On s'attendait à un match fermé, à un match serré. Eh bien, on a le match serré, mais c'est un match plutôt ouvert, Pierre. Oui, et... On peut tous attendre dans une finale et peut-être qu'effectivement ce deuxième tiers va être beaucoup plus fermé. Hein. On l'a déjà vu dans les matchs qu'on a commencé cette saison. Donc effectivement, il y a eu des buts, il y a eu des occasions dans ce tiers. On va les revoir d'ailleurs. Justement, effectivement, là, c'était. Ça avait bien commencé hein, pour Gap qui avait ouvert le score. Lorraine qui a trouvé la position préférentielle et à lucarne droite. Hein. Rien à faire pour coller. Et là, le deuxième but avec... Belle séquence de possession très bonne en zone offensive. Séquence. Correa qui trouve Golicic au deuxième poteau. C'était le 2-0 et là, tout réussissait, en tout cas, à Gap.
Et puis derrière, non, ils ont fait un peu plus le dos rond, ou plutôt les Angevins, voilà, ont décidé d'accélérer et ça a fait très mal. Oui, oui, c'est Angers effectivement qui a maintenu sa pression. Et là, on voit effectivement, allez, sur un shoot qui était venu de la bleue, le rebond, hein, le shoot qui est dévié, hein, et c'est pour ça que Junka donne ce rebond. Et allez, qui est là comme un sniper. Et là, pareil, un shoot, mais qui est bloqué par le joueur angevin. C'était Torquato qui a shooté en pivot. Et là, effectivement, Bouchard, un bout portant. C'est Bouchard. Bouchard qui marque. Hein. D'accord, c'est Bouchard qui a marqué, effectivement. J'étais sur Torquato. Et ces deux formations qui sont de retour sur cette glace pour le deuxième tiers-temps. Nous sommes à quelques secondes du début du deuxième acte entre les Rapaces de Gap et les Ducs d'Angers. Deux buts inscrits en une minute par les hommes de Ethan Goldberg pour complètement renverser cette partie. Ils étaient menés 2-0, tout allait bien pour les Rapaces de Gap, et puis les Ducs d'Angers ont décidé d'accélérer, et là on voit toute la qualité, hein, de cette formation, alors que Junka était en pleine confiance devant les filets. Ils ont décidé de pousser, d'accélérer, et ça a fait très mal. Oui, parce qu'effectivement sur ces deux lancers, effectivement le premier dévié à bout portant et le rebond décalé, et sur le deuxième, et ben pas grand chose effectivement. Il y avait des occasions de partout, hein. On pouvait tirer en haut, en bas, et Bouchard a décidé de shooter sous le bouclier. On prend les mêmes et on recommence. Philippe Allais qui fait face à Gutiérrez pour le début de ce deuxième tiers-temps de cette finale de Coupe de France. Et Allais qui vient mettre ce palais en fin de territoire. Gutiérrez, le capitaine des Rapaces de Gap, pour tenter de dégager son camp. Ça a été bloqué par Smith avec le tir. Pas beaucoup de joueurs pour se mettre devant Julien Junka pour venir masquer sa visibilité, et l'arrêt est tranquille pour le gardien des Rapaces de Gap. Mais tout de suite on vient mettre la pression du côté des Ducs. On repart sur les mêmes bases, j'ai l'impression, mais en tout cas là, sur ce lancer là, Junka n'a rien donné, même s'il y avait du monde devant lui. Allez, l'engagement en zone offensive pour les Ducs avec Bouvet, ça a été bloqué par Chad Langlais avec Oleg Sosunov. Il a perdu son duel, attention, avec Philippe Allais qui tente d'y aller. Que c'est bien défendu de la part de Arthur Smith-Levitz. Oui, parce qu'il avait essayé de reprendre encore un petit peu au centre et il s'est fait prendre la crosse, il n'a pas pu shooter. C'est Mikiewicz, hein, qui avait bien défendu. Avec Lagarde. Et oh, que c'est bien joué de la part de Lagarde. Oh, finalement, ce contrôle un peu long. Derrière, il n'est pas parvenu à récupérer Spallet. Le tir de Mikiewicz et le tir qui, je crois, a heurté le montant. Oui, Mikiewicz qui a essayé de tirer derrière la cage pour frapper Collé. Palais a touché le montant. Séquence de possession pour les Rapaces avec le tir qui arrive jusqu'à Bourgeois dans le coin face à Smith pour Golitic, deuxième buteur de cette formation des Rapaces de Gap dans cette partie. Golitic qui vient perdre son duel, Morin Bouvet qui tente de dégager son camp et qui parvient avec Colotti en zone neutre. La passe devant pour Correa, passeur décisif sur le but de Golitic, et qui vient le retrouver justement, Bojan Golitic, le tir dévié, et ce palais qui vient quitter l'aire de jeu finalement. Ouais, bah en tout cas on part sur les mêmes bases, hein, que le premier tiers, des occasions de part et d'autre, avec des temps forts de part et d'autre. Ce n'est pas fermé, même dans ce début de deuxième tiers temps. Engagement en zone offensive à venir pour les Rapaces avec Roy, qui fait face à un expert au cercle des engagements, c'est Nicolas Ritz, qui a participé au TQO de l'équipe de France au mois d'août dernier. Roy qui tente de remporter cet engagement, le duel avec Lorraine, et c'est finalement récupéré par les Ducs d'Angers avec Robin Gabory. Ouais, la passe elle est bonne pour Nicolas Ritz. Oh, le tir qui a été légèrement dévié par Julien Junka. Ouais, qui a été dévié au-dessus. Bouchard. Ouais, la charge dans le coin là de la part de Faure, qui tente de jouer l'homme face à Bouchard, c'est pas évident. Gabory, c'est récupéré par Bourgeois. La passe pour Joanne Lorraine qui vient mettre ce palais dans le coin à l'opposé. Et la pression qui est mise par Dimitri Thillet. Ritz face à Lorraine avec Thillet. Palais qui est mis en fond de territoire, Lorraine. Lorraine, ouais, qui peut remonter cette glace. Lorraine, la lancé à la bleue, dévié. Manning
pour Gabory qui parvient à dégager son camp. Chapuis. Oh, attention avec Joubert. Oh, le tir. Oh, ça a été touché par Evan Collet. Avec Sirg. Ouais, la passe sur le côté. Il vient trouver Chapuis derrière avec Joubert qui se retourne. Joubert. Joubert, toujours en possession de ce palais, la passe pour Axel Prissin, le tir, attention, il y a beaucoup de trafic, Joubert qui reprend le tir du revers et ce palais qui revient finalement jusqu'à Evan Collet. Ouais, sur ce shoot de Prissin, c'est Joubert qui avait récupéré ce palais, lancé, il a essayé de la glisser entre les jambes de Collet, hein, Raglas. Mais ça a été bien capté, mais voilà, c'est toute la... Toute cette ces combats, hein, sur ces palais qui traînent, gagner les, ou perdre les combats, c'est là que se font les occasions. Oh, Gutiérrez qui remporte cet engagement, Chad Langley qui vient mettre ce palais en fond de zone. Liorca, la tête levée, Liorca qui cède de la bande pour dégager son camp. Ça va arriver directement de l'autre côté et c'est le très grand Oleg Soussounov qui est le premier sur ce palais. Il a remporté son duel. Interdit. Face au très rapide pourtant Didio Balsamo. Mais il y avait de l'avance, le géant russe. Et donc engagement en zone offensive. Ils avaient un petit peu subi en tout début de deuxième tiers-temps les hommes de Blé. Et ils décident de mettre la pression désormais pour tenter de reprendre les devants dans ce match. Gutiérrez la passe avec le tir de Mikiewicz. Oh. Le tir bien arrêté par Evan Collet qui parvient derrière à saisir son propre rebond. Ouais, une belle combinaison là sur l'engagement. On l'envoie à gauche. On remet tout de suite sur Mikiewicz qui est en position de sniper. Il shoot va s'écraser sur le bouclier de Collet. Gutiérrez pour faire face à Gunther. Et cette fois-ci, l'engagement est remporté par le joueur de centre angevin. Didio Balsamo avec Dussault. La passe sur le côté. Yorka qui vient trouver Marius Serrer avec Gunther. Et Palais qui vient quitter l'aire de jeu finalement. Sorti sur le banc. Angevin. Philippe Allais et Tommy Giroud qui tentent de faire le back-to-back-to-back. Trois coupes de suite. Ah, ce serait remarquable. Oui, avec deux clubs différents. En plus de ça, Goletic avec Bouvet, Correa. Palais qui est coincé et qui est sorti là avec la possession. Goletic qui vient lancer directement sur son banc finalement. Le Slovène de 32 ans. Oui, c'est le seul endroit où il n'y a pas les plexiglas qui montent, hein, les bancs, et c'est vrai que le palais peut sortir assez facilement. Là, on l'a vu coup sur le banc d'Angers, sur le banc de Gap. Engagement en zone neutre, hein, et on a mis le premier trio ouais, du côté de Ethan Goldberg. Bouvet avec Philippe Allais dans un trou de souris, c'est finalement récupéré par Correa qui parvient à dégager son camp. Le palais qui arrive jusqu'à Smith. Pour Philippe Allais, ouais, la passe dans la course pour Bouvet. Attention, Morin Bouvet sur le côté droit. Bouvet qui tente de passer là en un contre un face à Arnaud Fort. Et qui vient bloquer ce palais finalement de l'autre côté. Fort. Et personne pour venir mettre la pression du côté des rapaces. Hein. Et du coup, on s'en sort avec la possession du palais du côté des Ducs d'Angers. Attention avec Morin Bouvet qui tente d'y aller seul. Ouais, il fait le tour de la cage. J'ai cherché le deuxième poteau, mais bien contré là par la défensive Angeville. Correa. Finalement, il a été gêné par Jared Smith. Romain Gabory qui met ce palais au fond de territoire. Gabory. Oh Dieu, c'est ça, il a récupéré son propre palais. Sirg pour Joanne Lorraine. Et qui flippe ce palais pour tenter de trouver Roy, mais c'est bien défendu là par Ardoa avec Nicolas Ritz qui met ce palais en fond de zone pour lui-même. Et finalement, Joanne Lorraine est bien placé là devant les filets de son portier. Et attention au contre, emmené par le Suédois. Ouais, Joanne Lorraine peut-être pour le doubler. Le tir en angle fermé, ça a été bloqué par Dimitri Thillet. Ouais, c'était bien défendu là par Manning. Manning justement. Ouais, pour Bouchard, Bouchard, la feinte de Bouchard. Le tir à une main. Et ça a été bloqué, Sirg. 5 minutes de jouer dans ce deuxième tiers-temps. Et pas de but dans ce deuxième acte. Farnier. La feinte face à Lorraine.
Farnier, ouais, qui vient trouver un coéquipier. Attention avec le tir de Torquato sur la passe de Théo Sarlièvre. Sarlièvre pour Dussault, le tir puissant, lointain, et c'est bien arrêté là de la part de Julien Julka. Ouais, qui demande un changement de crosse, le gardien des Rapaces de Gap. C'est Chapuis, oui. Il s'occupe de faire la liaison pour donner le nouveau bâton à Julien Julka. Engagement en zone offensive avec Zach Torquato pour tenter de prendre l'engagement face à Chapuis. Et l'engagement, il est remporté. Attention, ce palais pour Farnier. Le tir et l'arrêt de Julien Julka, c'est pas terminé. Wow. Attention, il a déserté ses filets. Le gardien des Rapaces avec ce palais qui traîne. Le tir de Sarlièvre. Et pour la première fois du match, les Ducs d'Angers prennent les devants. Mais oui, sur ce shoot-là qui était venu de la gauche, Julka est un peu allé à la pêche derrière sa cage. Et puis le palais a bondi de l'autre côté. Et devant la cage, Sarlièvre a eu besoin que d'un tout petit shoot hein, pour marquer ce troisième but. Un Julka qui était un peu sorti de ses appuis, il est allé à la pêche derrière cette cage. Là, on voit sur cet engagement le palais, le shoot. Là, il va chercher. Mais le palais lui échappe et tout de suite, ça revient pour Sarlièvre. Et Julka n'était pas encore revenu, il n'avait plus sa crosse, hein, il n'était pas encore rentré dans sa cage. En tout cas, il y a eu problème au niveau du marquage là du côté des Gapensais qui se retrouvent menés pour la première fois du match. Colombe, le palais qui est mis en fond de territoire, on continue de mettre la pression du côté des Ducs d'Angers avec Didio Balsamo, ouais, qui vient faire la différence sur le côté, cherche Marius Sirer, le palais qui traîne, attention le tir de Jared Smith sur Lexosunov qui parvient à faire l'arrêt et derrière on parvient à se dégager. Attention à la garde. La réaction cette fois-ci est attendue du côté des Rapaces avec la garde. Il fallait bien récupérer très rapidement là par la défensive des Ducs d'Angers qui continue sur sa lancée, qui a marqué 3 buts de suite. Attention au contre avec Gutiérrez qui est recherché. C'est finalement la garde qui va l'avoir ce palais. La passe derrière lui avec Marius Serreur. Oui, par-dessus, c'est bien joué là pour trouver Morin Bouvet. L'accélération de Morin Bouvet. Oh, ce palais qui traîne, Mikevix hein, qui finalement récupère ce palais. Ouais, Bouvet qui a forcé le shoot au premier poteau. Ça a donné un rebond en l'air qui a été bien capté par les Gapensais. Golitic, ouais, qui lance à la cage directement dans le corner trap de Evan Cowley. 3 buts inscrits coup sur coup par les Ducs. 2 en fin de premier tiers-temps et 1 donc dans les 10 premières minutes de ce deuxième acte. Et ça fait donc 3 buts à 2 pour des Ducs d'Angers qui sont renversants dans ce match. Allez, on attend la réaction de Gap, voir un peu ce qu'ils vont pouvoir donner. Fort, attention, elle est peut-être là, cette réaction, le tir. Et l'arrêt de Evan Cowley, c'est pas terminé avec Golicic dans le coin. Bosjan Golicic, il a la solution avec Correa, il préfère conserver ce palais. Golicic, il a du mal à se retourner, la passe pour des solutions. Qui cède de l'arrondi et c'est finalement récupéré par Philippe Allais, buteur dans le premier tiers. Allez, attention, ouais, à la pression, la mise par les hommes de Eric Blay. Ardoa avec Giroud, finalement un peu court. Et les gars pensaient qu'ils vont pouvoir récupérer ce palais. Et peut-être se créer un nouveau temps fort dans cette partie. Avec Fort. Avec pour Colotti, ça n'a pas été touché. Finalement, le dégagement est refusé aux Rapaces de Gap. Et on sent un petit peu de frustration là dans les rangs des Rapaces. Oui, on parlait de la profondeur de l'équipe d'Angers. Hein. C'est le quatrième bloc qui arrive à marquer ce but pour l'instant décisif. Engagement en zone offensive pour les Ducs avec Ritz pour Gabory. Ritz. Et la bataille dans les coins qui fait rage. Et Gabory qui sort avec la possession. Oh, attention, Robin Gabory qui se retourne, qui lance. C'est arrêté par Julien Junka. Ils sont très agressifs, les Ducs d'Angers. Et se montrent dangereux une fois de plus dans cette partie. Et quoi qu'il arrive, hein, il y aura 3 coupes remportées à la suite, puisque de l'autre côté, Prissin en a remporté aussi 2 de suite avec les Gothiques.
avec ses anciens coéquipiers Philippe Allais et Giroud. Le voici justement Prissin qui vient trouver Sirg devant lui avec Dimitri Thillet. Ça a été récupéré par Yorka. Oh, ils sont deux, ils sont deux. Ritz à Gabory avec lui. Le tir de Nicolas Ritz directement sur Julien Junca. C'est un énorme temps fort là pour les Ducs d'Angers qui tentent de faire le break. Ouais, sur ce palais récupéré là par Nico Ritz. Ils se retrouvent deux, mais ils n'ont pas réussi à s'organiser pour décaler. Ils n'ont pas pu effectivement se croiser pour décaler l'un ou l'autre joueur. Et Ritz a préféré faire un shoot dans l'axe. Il n'y a pas eu de rebond. Junca a bien tenu. Alors qu'il y a un petit problème de glace là au niveau de la pub. Effectivement. Réparer ça. Mais c'est vrai que les gars pensés là sont un peu sous les ténoirs. C'est un temps fort, un gros temps fort hein, depuis début, la fin du premier tiers hein, et le début de ce deuxième tiers. On va dire même les 8 premières minutes de deuxième tiers. Angers met vraiment la pression. Junca est sous la pression, toute l'équipe de Gap est sous la pression, pour l'instant il n'arrive pas trop à s'en sortir et ça se traduit au score. Ah, les Angevins qui ont déjà eux remporté la Coupe de France à deux reprises en 2007 et en 2014, tandis que les Rapaces eux n'ont jamais mis la main sur ce trophée. Bon, attention, Sirg devant lui. Yorka qui vient récupérer ce palais avec Sarliev. Pour l'instant c'est lui qui a le but vainqueur de cette partie. Sarliev par-dessus. Un petit peu à la manière d'un joueur de rugby, oui. Le coup de pied à suivre. Open under. Lorraine devant lui pour Dimitri Thillet à la lutte avec l'international français. Liorca s'est bien joué. Et derrière les Angevins qui dégagent leur camp. On ne prend pas de risque hein, de la part des hommes de Ethan Goldberg derrière. Thillet. Attention à ce palais qui vole, récupéré à la manière d'un joueur de baseball par Evan Cowley. Arrête de voler. Le gardien canadien qui a été repêché hein, par une formation de NHL, c'était en 2013, le 92e choix au total, choisi par les Panthers de Floride. Il est encore jeune, 26 ans, le gardien des Ducs, Coulombe. Et la longue passe au milieu pour Gwenter qui récupère ce palais. Bon, attention, la passe qui ne trouve personne, si ce n'est Jared Smith, le défenseur, qui monte très haut. Jared Smith, 11 minutes et 7 secondes encore à faire. Et les Ducs qui continuent de pousser. Le tir lointain, il y a beaucoup de trafic devant les filets de Julien Junca. Serreur. Ouais, devant lui, Serreur avec Chad Langlais. Serreur qui vient mettre la pression et qui récupère un nouveau palais là avec la passe pour Mané. Oui, le tir et ça fait but. Le break pour les Ducs d'Angers. 4 buts inscrits consécutivement par les hommes de Ethan Goldberg. Et ça fait 4 buts à 2. Oui, parce que ce palais qui était dans le coin là, ça s'est roué devant la cage du côté d'Angers. Le palais il a été donné et c'est Manning qui était au deuxième dans l'axe hein, qui a récupéré ce palais. Il a eu le temps de le contrôler et de shooter et je pense que Junca l'a pas vu partir. Là il est parti plein de lucarne. Et c'est 4-2. Là on revoit là. Suite à un duel, on récupère le palais. Ah, c'est rare, c'est bien joué. Hein. Voilà. C'est lui qui remporte ce duel dans le coin. Et là le palais, on pensait qu'il y avait deux joueurs d'Angers qui pouvaient le récupérer, mais finalement c'est Manning qui était le mieux placé et qui a stoppé le palais et qui a tranquillement ajusté. Junca 4-2. C'est vraiment un temps. Voilà, et le temps mort est pris par Gap, par Eric Blé. Hein. Ouais. Il se rend compte effectivement que son équipe est en train de perdre le fil de ce match. Et bon, rien n'est fait, rien n'est fini, mais il faut remettre les pendules à l'heure. Et c'est le moment de réagir pour Gap parce que clairement, le momentum est pour Angers actuellement. Ouais, les Rapaces qui menaient 2-0 dans cette partie et qui accusent un petit peu le coup. À la mi-match, mené 4 buts à 2 par les Ducs. Ouais, on a entendu la clameur des supporters d'Angers, hein, juste devant le COP d'Angers. Ah, ils ont explosé, ouais, oui. Ouais. Dans le dos de Junca. Sur les deux buts inscrits dans ce deuxième tiers-temps, celui de Sarliev et donc celui de Manning. Celui de Manning qui permet donc aux Ducs de mener de deux buts dans cette grande finale de la Coupe de France.
Bouvet, le Palémi en fond de territoire, qui arrive jusqu'à Junka avec Bourgeois. Fort, Bouvet qui vient mettre la pression. Gutiérrez qui se retourne. Attention Gutiérrez dans le coin. Ah oui, et un nouveau palais récupéré par les Ducs d'Angers avec le tir de Hardawa. Oh, on est passé tout proche d'un cinquième but là pour les Ducs d'Angers. Ils sont partout dans les coins et ils récupèrent tout, tous les palais placé, en zone offensive. Le rebond. Et derrière Philippe Allais qui tente de dévier. Un nouveau tir lointain. Et on n'arrive plus à sortir de la zone hein, du côté de Gap. Allez, le lancer, on cherche la déviation. C'est récupéré par Giroud. La passe à la bleue pour Dussault. Dussault qui cherche Philippe Allais. À la lutte avec Faure. Ah oui, c'est ces duels là qui sont très très importants. Et quand on récupère le palais là, il faut savoir quoi en faire, comme a fait Lagarde. Et là, on a réussi à sortir en contrôle. Ouais, Lagarde qui met de la vitesse là dans son jeu. Lagarde, la réaction des rapaces peut-être sur cette séquence avec Mikiewicz. Ouais, le tir qui a été bloqué par Ritz. Oh, qui s'en saisit. Et ça peut aller vite de l'autre côté. Nicolas Ritz, toujours en possession de ce palais. Ritz, la passe derrière. C'est récupéré finalement par Correa avec Gutiérrez. Le 1-2. Correa. Face à Yorka, Correa de l'autre côté, le palais par-dessus, ça a été bloqué par Bouchard, c'est récupéré ensuite par Colotti. 9 minutes encore à jouer avant la fin de ce deuxième tiers-temps. Et Nicolas Ritz qui tente de dégager son camp, passe finalement ce palais à Bouchard en fond de zone avec Robin Gabory face à Chad Langlais. Gabory, on tente de récupérer un nouveau palais du côté des Ducs d'Angers, mais quelle agressivité là, de la part des Ducs, mais on s'en sort du côté des Rapaces. Goličić. Ouais, devant, attention, ah, ouais, la cage a bougé. Jared Smith face à Correa. Ah ouais, Correa qui était, s'était rué pour aller chercher ce palais derrière la cage. Et Smith s'était un peu interposé et tombé et a emmené le poteau avec lui. Ça va un peu mieux du côté de Gap, mais la Furia angevine est toujours là. Ah, ils sont très dangereux hein, quand ils mettent des palais en fond de zone. Oui, parce qu'ils travaillent pour aller récupérer. Et ils récupèrent souvent le palais. Ah, ce sont eux qui remportent tous les duels là dans ce deuxième tiers-temps. Les Ducs d'Angers, ils sont morts de faim. Thié avec ce palais mis en fond de zone. Jared Smith avec Lorraine qui récupère ce palais. Le duel remporté là par les rapaces dans le coin. Et ça peut amener à une situation. Ça a été bloqué par Smith, mais Thié finalement le récupère derrière. Dimitri Thié le tire en pivot. Et c'est un arrêt tranquille pour Evan Collet. Qui a décidé de fermer la porte hein, dans ce deuxième tiers-temps. Il affiche beaucoup de sérénité. Très très bien défendu aussi par ses défenseurs. Hein. Voilà, le joueur qui est devant la cage, il n'a pas la possibilité de toucher ce palais. Parce qu'on lui prend sa crosse, parce que voilà, on le gêne. Chapuis avec la passe à la bleue pour Fort, le tir lointain et ça a été bloqué par Eli Gunter. Et l'énorme charge là de la garde sur le côté. On tente de monter d'un cran là au niveau de l'intensité du côté des rapaces. Faire sentir la présence physique. Chapuis avec Robert. Palais qui est mis en fond de territoire par Marius Serrer qui a remporté. Un duel sur le dernier but avec un palais récupéré en zone offensive. Ouais. Bourgeois qui tente de dégager son camp, parvient à trouver Robert, la passe pour passe, dommage. Pour Joubert, le bras de l'arbitre qui est levé, hors jeu différé, signé. Il est parti. Et attention Didio Balsamo qui s'est envolé. Balsamo, la passe derrière fini. Lui avec Morin Bouvet et que de sacrifice le capitaine Gutiérrez qui parvient à s'étendre pour bloquer ce lancer. Yorka à la bleue. Nouvelle vague bleue. Sur les buts de Junka avec Lagarde. Le palais qui est mis en fond de zone. Dussault. La longue passe de Dussault. Et il est parvenu à trouver Philippe Allais. Le décalage sur le côté pour Tommy Giroud. Entre les jambes. C'est magnifique. Quelle situation. La passe. Et Oleg Sosunov qui vient bloquer cette passe. Ouais, heureusement pour les Gapensés. Oh, que c'est bien joué. Le spinorama de Patrick Coulombe avec le tir enchaîné du revers. Et c'est arrêté par Julien Junka. Attention, il se laisse pousser des ailes. Les Ducs d'Angers avec Philippe Allais qui parvient à conserver ce palais en zone offensive et trouver Romain Gabory à la lutte avec Mikiewicz. Ouais, l'énergie est clairement du côté des Angevins. Hein. Dans ces fins de duel,
les palais qui ressortent. Oui, Romain Gabory, et le tir qui a été bloqué par Chad Langlais. Nouveau temps fort pour les hommes de Ethan Goldberg. Avec Ritz, le tir sur réception lointain et l'arrêt de Julien Juncka qui vient faire énormément de bien à cette défense des Rapaces de Gap qui souffrent dans cette finale de Coupe de France. Ouais, comme on disait, hein, tous les duels, en tout cas les duels qui s'engagent à 50-50, et ben, la plupart du temps, c'est les Angevins qui récupèrent le palais. Et ça fait toute la différence, on est sous pression. Palais contrôle dans la zone offensive. Oh, attention à ce nouvel engagement, ouais, remporté. Soufflé, oui, finalement, soufflé. L'arbitre qui a sifflé, mais il remporte tous les duels. Les Ducs d'Angers dans ce deuxième tiers-temps, à l'image de cet engagement remporté par l'expert au cercle, Nicolas Ritz, qui avait trouvé derrière lui Bouchard, évidemment, quand vous êtes Gap. En zone défensive, vous ne voulez pas perdre cet engagement, surtout quand il y a Bouchard qui est à la réception. Oh, parce qu'effectivement, le premier des duels, hein, c'est le duel sur l'engagement. On récupère le palais à l'engagement, ça fait beaucoup d'énergie en moins, hein, à donner, à fournir. Très, très important. Derrière. Et bien sûr, et en plus, dans les engagements en zone offensive. Ritz face à Golicic pour un nouvel engagement en zone offensive. Il a été remporté, ouais, par le Slovène. Correa avec Colotti derrière lui pour trouver Bosjan Golicic pour lui-même face à Patrick Colombe. Golicic avec Ritz, le joueur de centre qui est redescendu pour récupérer ce palais. Ritz qui vient trouver Bouchard et on se projette vite vers l'avant du côté des Ducs d'Angers, que ce soit attaquant ou défenseur, on attaque ensemble. Prissin qui est pris là par Nicolas Ritz et le bras de l'arbitre qui est levé. Attention, pénalité à venir dans, ouais, cette partie à l'encontre des Ducs d'Angers. Ils étaient très disciplinés depuis le début de cette partie et cette fois-ci, ouais, ils vont être punis. Ouais, je voulais en parler justement parce qu'effectivement il n'y avait pas beaucoup de pénalités, il n'y a pas eu beaucoup de pénalités. Oh, attention, et là, ah, ça, ouais, vient chauffer là entre, ouais, Sir, parce et qu'il y a, Ritz. Y a une vilaine charge là, c'est une à retardement, une charge on va la revoir en zone offensive. Alors est-ce que, ouais, pourtant, ouais, c'est une charge dans le dos bien sûr, mais le joueur savait que la charge arrivait, il n'y a pas eu de charge trop. Le trop problème, haute. C'est que Prissin, il reste couché, voilà, dans le coin. Il est blessé, le défenseur des Rapaces de Gap. Il peine à se lever et tout de suite, il y a une aide médicale. Donc pour va, l'ancien va, défenseur des Gothiques, Damien. J'ai pas l'impression que c'est la tête qui est portée, plutôt le dos. Là, c'est vrai qu'elle était rude cette charge. Que vont décider les arbitres? Est-ce qu'ils vont estimer que. Un boarding, charge. Ah, c'est peut-être un tournant dans cette partie, un de plus. En tout cas, il y aura avantage numérique à venir, ah, puis on voit pour les Rapaces, possibilité de réduire l'écart. Et on va revoir cette charge. Il y a deux joueurs déjà qui sont en prison, hein, donc ça va être 2 plus 10. Est-ce qu'il saute pas un petit peu, Nicolas Ritz? Très légèrement. Ah, c'est difficile, hein, à analyser. Cas, c'est au moins un 2 plus 10. Voilà, 2 plus 10. Donc Nicolas Ritz va passer 12 minutes en prison et les Angevins seront pénalisés à 4 contre 5 pendant 2 minutes. Et la bonne nouvelle, c'est que Prissin s'est relevé, il a retrouvé ses esprits, le défenseur des Rapaces de Gap. En tout cas, c'est la chance, hein, pour Gap de revenir dans ce match, de reprendre un peu le contrôle du palais et surtout de marquer un but parce qu'ils en ont bien besoin, les Gap pensés. Après avoir que ces 4 buts consécutifs dans cette finale. Ouais, il est en discussion avec le médecin Prissin. Ça peut faire commotion, hein. Comme ça, une, oui, charge, oui, tout à fait. La première contre la bande. C'est pour ça que c'est durement réprimé par les arbitres. Hein. Il y a toujours un risque. Et donc avantage numérique pour les Rapaces de Gap avec l'anglais dans ce deuxième tiers-temps avec Golicic, l'accélération qui cherche Gutiérrez. Non, finalement c'est pour lui-même. Gutiérrez, ouais, s'est récupéré, ouais, et dégagé de l'autre côté, loin devant par Gunther. Ouais, tout de suite, hein, il y a eu 3 Angevins qui étaient dans ce coin où était le palais et ils ont récupéré le palais pour pouvoir se dégager. Mikivic. Oui, pour lui-même, ah, c'est bien joué le patinage de Mikiewicz. La passe derrière et une nouvelle passe interceptée par les Angevins qui sont intraitables dans cette infériorité numérique. Pour l'instant, ils ne laissent absolument rien aux Rapaces. Mais les Gapensiers n'arrivent pas à rentrer en contrôle ou
récupérer ce palais pour pouvoir se retourner. L'anglais avec Lorraine. Oh, c'est bien joué. Attention, Lorraine qui est passé derrière. Il vient trouver Colotti. Et il y a toujours un joueur de Angers pour venir couper une passe. Mais Colotti, attention, il s'est bien arraché pour conserver ce palais. C'est pas fini. Dimitri Thillet, 54 secondes encore à faire dans cette disposition. La passe pour Lagarde. Le tir en pleine lucarne de Benjamin Lagarde. Et ça fait 4 buts à 3 dans un match complètement fou. Le but des rapaces de Gap inscrit en supériorité numérique. Oui, et sur ce palais récupéré par Thier, alors qu'on a cru longtemps qu'ils allaient le perdre, ce palais, les gars pensaient. Il a été récupéré par Thier qui a tout de suite remis à peu près au niveau du point d'engagement à Lagarde. Lagarde n'a pas cherché la passe, il a tout de suite vu la cible et il a cherché la lucarne gauche. Là, on voit la remise de Thier, la petite passe de revers au point d'engagement. Et il s'est pas posé de questions, il a cherché la lucarne gauche là et collé, il n'a pas vu passer ce palais. Waouh. Ah ouais, poteau rentrant et ils reviennent dans cette finale, les gars pensés. 3 à 4, quelle finale. Et ils ont parfaitement profité de cette situation d'avantage numérique, même si ça avait été dur. Lors de la première minute, ils n'étaient pas parvenus à s'installer en zone offensive et sur leur seul lancer de l'avantage numérique, Lagarde qui est parvenu à tromper Evan Cole. Un petit but d'écart désormais, tandis qu'il reste 4 minutes à jouer avant la fin du deuxième tiers-temps. La passe de Bouvet pour Tommy Giroud. La tête levée, cherche une solution. Attention, ça a été intercepté par Bosnian Golicic. Il a l'aide de Correa. Derrière lui, Bosnian Golicic. La passe pour Correa. Incroyable. Deux buts inscrits coup sur coup par les rapaces de Gap qui comblent leur retard. Ça fait 4 partout désormais. Correa qui est trouvé, qui inscrit ce but. Mais attention, il semble blessé, l'attaquant des rapaces. Ouais, j'ai l'impression que ça va quand même, mais c'était incroyable parce que ce contre mené par Golicic, ils étaient quand même 2 contre 3, même 2 contre 4. Mais Correa qui a été à la limite du hors-jeu, il ne s'est pas posé de questions, il est tout de suite allé sur la cage. Golicic a réussi à le trouver, hein. C'était pas facile de trouver sur cette place. On revoit l'interception de Golicic, ils partent, ils sont 2 contre 3. Hein. On a l'impression que. Et Correa, il ne s'est pas posé de questions et la passe est parfaite. Oh, la finition. La finition est parfaite aussi, hein. Pas facile à mettre dans ces conditions le but. Et en tout cas, en l'espace de 20 secondes, 25 secondes, les gars français sont totalement revenus dans ce match. C'est une finale complètement folle. C'est une histoire de temps fort, c'est cette finale. Il y en a eu un énorme du côté des Ducs d'Angers en toute fin de premier tiers-temps. Ils ont inscrit 2 buts en une minute. Et là, il y en a un pour les rapaces de Gap qui ont réussi à combler leur retard eux aussi. 2 buts de retard dans cette rencontre pour les Ducs. 2 buts de retard pour les rapaces de Gap. Et ces deux formations sont parvenues à rattraper ces 2 buts. Aucune des deux équipes ne veut lâcher dans cette finale. On a un peu craint pour l'équipe de Gap, mais là, la Gap est complètement revenue dans ce match. À force de volonté, à force aussi de... Oh, attention à la vitesse de Cédric Didio Balsamo. Ouais. Et derrière, Julien Junca. Oh, la bonne relance. Il a décidé de jouer vite. Et ça peut donner une situation. Ils sont 4, ils sont 4. Pour les rapaces. Avec Dimitri Thier. Derrière, Dimitri Thier qui est bien pris par Kevin Dussault. Mais quelle défense de la part du numéro 20 des Ducs d'Angers qui vient annihiler une énorme occasion pour les rapaces. Ouais, ils étaient 4 contre 2. Mais Thier avait quand même du monde sur le dos. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'a pas réussi à trouver une passe. Et finalement, c'est Angers qui s'est dégagé. Ils ont trouvé les ressources pour revenir dans cette partie. Les hommes de Eric Blay, Gutiérrez, l'engagement en zone offensive face à Philippe Allais. 2 minutes et 42 secondes encore à faire avant la fin de ce deuxième acte. Complètement dingue, comme le premier. 4 buts inscrits. Oui, il reste 2,36 hein, quand on voit ce qui s'est passé là dans cette fin de tiers et à la fin du premier tiers aussi, tout est possible encore. Gutiérrez qui se retourne, nouveau temps fort pour les rapaces avec Fort à la bleue qui temporise et qui vient trouver Bourgeois. Le tir, Mikelic, le palais qui revient jusqu'à Gutiérrez. Oh, le tir qui est arrêté par Evan Colley. Nouvelle énorme opportunité pour les rapaces. Ouais, il s'était retrouvé en position idéale à Gutiérrez. Il a tenté un tir bas. Lagarde face à Yorka, Lagarde qui a marqué le but de l'espoir. Oh, attention, un nouveau palais bloqué, cette fois-ci par Golicic. Le tir sur réception et quel arrêt de la part de Evan Colley. Est complètement sous des ténoirs, il n'arrive plus à rien faire. Et au contraire, Gap est survolté alors qu'il n'avait pas réussi à trouver autant. Il n'avait pas réussi à contrôler autant le palais. Là, ils arrivent à trouver des passes, à trouver des occasions. On en a vu 2 coups sur coup, une par Gutiérrez, une par Lagarde.
en l'espace de 20 secondes. Engagement en zone offensive pour les Rapaces de Gap, qui à leur tour se voient pousser des ailes. Golicic face à Philippe Allais. Colotti, la passe à la bleue pour Chad Langlais. Oh attention, le tir de Langlais. Oh Correa qui était pas loin de récupérer ce palais. Il l'a. Correa, la passe pour Chad Langlais. Derrière avec Colotti, le tir. Ça a été bloqué par Yorka. Le contre. Bouchard pour Gabory. Colotti avec Langlais. 1:30 encore à faire avant la fin de cet acte. Complètement dingue. Colotti pour Correa qui vient mettre ce palais en fond de territoire. Jared Smith. Avec Roy, fort, elle lutte avec Farnier dans le coin. Ils accusent un petit peu le coup, les hommes de Ethan Goldberg, après avoir beaucoup donné dans ce deuxième tiers-temps. Farnier, ouais, il vient trouver Théo Sarliève. Le tir, oh, qui passe juste à côté de la lucarne de Julien Junca. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, les Ducs d'Angers. Mais attention à Lorraine qui s'envole sur le côté. Oh, Lorraine, une fois, deux fois, oh, il a failli passer. Et un contre un, là. C'était Patrick Coulombe qui était face à lui. Farnier, Lorraine, c'est bloqué par Farnier, la passe sur le côté, Jared Smith avec Farnier, 40 secondes encore à faire, la passe mal ajustée, c'est récupéré par Roy avec Bourgeois, fort, 33 secondes, le temps d'une dernière offensive ou deux, Gunther derrière lui, Manning qui vient trouver Coulombe, Serreur, en zone neutre avec Coulombe. La passe sur le côté de Manning pour trouver Raleigh Gunter. On est en zone offensive du côté des Ducs d'Angers. La passe à la bleue pour Ardoa. Oh, et le tir enchaîné qui a été bloqué et qui n'est pas arrivé jusqu'au filet de Julien Junca. Et ce palais qui reste coincé. Donc oui, c'est la fin de ce deuxième tiers-temps. Mais quelle finale de Coupe de France. Et là, ça vient brasser derrière les filets de Julien Junca. Non. Cette fin de deuxième tiers complètement dingue. Oui. Où 4 buts ont été inscrits dans ce deuxième tiers-temps. C'est autant que dans le premier tiers. Exactement. 4 buts dans le premier, 4 buts dans le deuxième, avec un scénario totalement différent. Puisque c'est Angers qui avait pris l'avantage de 2 buts, qui a complètement dominé cette première partie du troisième tiers et même les deux tiers du troisième tiers. 4-2. Et Eric Blais a pris son temps mort pour essayer de réveiller cette équipe. Mais. Ça n'avait pas l'air vraiment d'avoir marché et il a fallu attendre une supériorité numérique de Gap pour retrouver l'espoir avec un but de Benjamin Lagarde et tout de suite dans la foulée, l'égalisation de Correa. Tandis que Franck Pateau est avec Correa justement. Mais oui, je suis avec Julien. C'est un match totalement fou. C'est un match totalement fou. Ouais, bah on est deux équipes quand même relativement proches. On le voit encore ce soir. Hein. Quand il y a une équipe qui arrive à prendre le momentum, ils arrivent à marquer en début. On a vraiment la. Il y a vraiment une équipe qui prend le dessus sur l'autre et puis après bah, la moindre erreur se paye cash. Ça a été nous au premier tiers quand on est 2-0, maintenant c'est eux. C'est génial. C'est génial, mais finalement ce trou là, ce trou de. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Bah ça a été un peu dur. Après voilà, Angers, on les connaît, on les a joués. C'est la même équipe comme nous qui n'a pas bougé depuis le 3 ans. On sait que dès qu'on est un petit peu déconcentré, qu'on en laisse plus de temps et d'espace, c'est compliqué. Et puis bah après voilà, des fois il suffit d'un but pour remettre la machine en route et le power play nous a servi à ça. Même le but dans la souffrance, on a voulu vous grimacer, mais finalement vous allez le bout. Ouais bah de toute façon on n'a pas le choix, hein. Il faut se donner à 200% et puis faire l'extra effort comme on dit pour essayer d'aller le chercher. Et là voilà, maintenant ça va jouer en troisième, c'est bien pour le spectacle. On est avec vous, allez, bon match. Merci. Ça c'est vrai que c'est bien pour le spectacle et le troisième tiers-temps. On attend avec hâte. Bah c'est super ce que dit Julien. Il dit c'est génial, voilà, il s'éclate, il joue à fond cette finale et il y a du bonheur, il y a de l'envie et puis ça promet un troisième tiers incroyable. Oh que oui, et on a hâte. Et en attendant ce troisième tiers-temps, on écoute le sélectionneur de l'équipe de France, Philippe Bozon, dans une interview exclusive Sport en France. À tout à l'heure. Bonjour Philippe, quelles sont les prochaines échéances de l'équipe de France? On sait que le stage en Autriche a été annulé. Oui, effectivement, l'Autriche a annulé, puis les solutions, la Norvège ne voulait pas non plus, il était participant au tournoi, on a essayé quelques autres solutions, mais dans le contexte actuel où tous les championnats européens, il y a énormément de matchs reportés, tout le monde veut utiliser la trêve internationale pour combler un peu et mettre des matchs, donc c'était un contexte difficile pour les joueurs, on a préférer maintenant se concentrer sur la préparation qui aura lieu au mois d'avril, préparation pour les championnats du monde. On espère avoir
deux rencontres, enfin même trois rencontres en France, et puis après on irait en Slovénie directement la semaine avant les championnats du monde. Entre les tournois et les rassemblements qui sont annulés, c'est pas évident d'être sélectionneur de l'équipe de France dans ces conditions. Ouais, c'est, et puis c'est long surtout. On a l'impression que ça se répète éternellement, mais voilà, je pense que maintenant aussi, le plus important, on va dire, cette année, c'est que quand même les joueurs jouent hein, partout. Il n'y a pas de ligue où on a des joueurs qui sont à l'arrêt, ce qui avait été le cas précédemment. Là, c'était un peu plus compliqué. Et puis, non seulement ils jouent, mais ils jouent beaucoup, ils ont du rythme. Voilà, nous, on a quand même l'équipe de France avancée dans notre identité de jeu. Dans le TQO, c'était très positif. Donc, on pense que ça, c'est quand même moins préjudiciable cette année que ça aurait pu l'être les années d'avant. Justement, après ce TQO, c'est quoi votre philosophie ? Est-ce que c'est intégrer les jeunes petit à petit ou alors justement les mettre directement ? Bah écoutez, ça, les choix se feront un peu aussi avec la disponibilité des joueurs cadres, on va dire. On sait la particularité des championnats du monde. Hein. C'est une période où les championnats, notamment nord-américains, continuent. Et puis cette année, des championnats qui finissent assez tard, notamment la Finlande, des nations comme ça. Donc il se peut que pas mal de joueurs ne soient pas disponibles. Donc voilà, ça va beaucoup dépendre de ces joueurs-là aussi. Et puis on le sait là depuis le TQO, il y a des joueurs qui ont arrêté aussi et que là on a déjà commencé à renouveler le groupe. Justement, l'objectif alors pour ces prochains mondiaux, est-ce que c'est remonter directement ou alors justement faire ces gammes pendant quelques années, peut-être reconstruire tranquillement dans la division inférieure? Écoutez, moi je pense qu'il faut vraiment essayer de remonter. On a la chance là avec deux équipes qui montent. Essayer de jouer le tout pour tout pour monter là au mois de mai. D'autant plus que je suis vraiment un fervent partisan de dire que même si on doit renouveler le groupe, vaut mieux le faire quand on est avec des nations de l'élite, dans l'élite. Voilà, et puis je pense qu'après, suivant le résultat de ce championnat du monde au mois de mai, ben, il faudra peut-être revoir les choses et peut-être reconstruire totalement. On verra ça après le mois de mai. C'est quoi votre plan aussi devant les filiales? Il y a des gardiens d'expérience, il y a aussi des jeunes qui émergent avec notamment Papillon et évidemment Jumka qui va jouer ce soir la finale de la Coupe de France. Oui, bah écoutez, c'est des joueurs qui sont ciblés depuis un moment, hein. C'est des joueurs à potentiel. Nous, notre idée, c'est d'essayer maintenant de leur donner le maximum de matchs internationaux, de les sortir le plus possible. Et puis après, de voir au moment où ils seront prêts d'intégrer pour un championnat du monde. On a quand même eu un gardien qui était performant au TQO. On espère qu'il reproduise ces performances-là. Et puis, il a de l'expérience, il est âgé et d'amener derrière des jeunes pour continuer à les former, profiter de son expérience jusqu'au jour où ils seront prêts. Un mot sur cette finale de la Coupe de France, c'est une belle opportunité pour vous aussi de superviser des joueurs dans des matchs voilà, qui comptent, des matchs importants à enjeu. Oui, effectivement, c'est les matchs à enjeu, des finales, c'est toujours un peu particulier. On voit... Les joueurs, là, ils savent l'importance de ce match. Donc, voir leur comportement dans des matchs à enjeu, c'est toujours, ça donne toujours des bonnes indications. Après, on suit tellement les joueurs toute l'année qu'on ne s'attend pas non plus à des choses exceptionnelles. Mais effectivement, dans un cadre où il y a de la pression, c'est bien de voir leur réaction. Pour finir, un mot sur cette jeunesse qui tente de prendre le pouvoir en Ligue Magnus. Il y en a quelques-uns. Simonsen, Bosque, il y a Der aussi, Fabre. Oui, écoute, nous on est tous très contents des performances de ces joueurs-là. On était frustrés parce qu'on avait ouvert au mois de décembre des stages pour ces joueurs-là ciblés. On a pu le refaire cette année. Ils l'ont fait avec enthousiasme. Ils étaient tous très contents d'être là. Nous, on était très contents de les voir. Donc voilà, on sait que c'est des joueurs avec lesquels il va falloir travailler, les suivre de près et qui continuent à être performants, c'est une bonne chose. Malheureusement, là, en février, il n'y a pas, mais il y a des joueurs qui auraient été dans la liste de février. Et bon, c'est dommage pour eux, mais je pense que c'est juste reporté de quelques temps. Un grand merci, Philippe, d'avoir merci répondu à vous à mes et questions. Bon match à vous. J'espère que c'est un bon final. Aussi. Merci.
Yeah. C'est un jour attendu pour les amoureux du MMA. C'est un jour attendu pour le sport. Avec la décision que j'ai prise d'attribuer la délégation à la Fédération française de boxe, ici dignement représentée. Je me lançais dans mon premier combat dans la cage. Ce 8 octobre où on légalisait, et en tant que femme aussi. Les hommes, on avait l'habitude, mais une femme montée dans une cage en France, c'était pas encore vu. Et comment allait être le public ce jour-là, et comment allait être leur regard sur ce premier événement et sur le recul du MMA. Les deux combattantes sont très concentrées. Ça va être un moment unique, un moment historique. J'occulte tout ce qui est autour de moi, et alors qu'on entend beaucoup de gens qui crient votre nom, qui est là, et là vraiment je me dis, je vais gagner, je vais détruire. Et on voit de toute façon mon visage se change, et vraiment en fait c'est j'y vais. J'ai tout à gagner en fait, j'ai tout à gagner là, on y va, c'est parti, c'est là, c'est maintenant, on y va. Pour son premier combat, fait un maximum de bruit pour Letiz Diablo! Je pars vraiment du principe que Letiz, sois fière de toi, peu importe le résultat à la fin, même si on veut gagner, donne tout. C'est 5 minutes par 5 minutes par 5 minutes de ta vie en fait. C'est quoi 5 minutes de ta vie? C'est quoi? Je vais vous demander d'applaudir comme il se doit la combattante Leonora Nocimiento! Je savais pas qui c'était, j'avais jamais vu. On avait regardé deux vidéos d'elle. On avait un game plan par rapport à sa jambe. On savait que sa jambe allait se lever. Mais après, c'était mon premier combat. J'ai pas d'expérience finalement. On a travaillé des choses. Tu sais faire des choses. Ta boxe, c'est pas ton domaine. Donc ton but, c'est de rentrer, la faire tomber et aller au sol. Et c'est parti quoi. She's amazing. Letizia Blo. The finish is moments away, surely, Adir. Wow. And she's on a hiding to nothing here, Nascimento. But surely the referee's it's a KO! It's a KO! Wow, je l'ai fait, ça y est en fait. 1 minute 30 en plus. Et je l'ai fait avec la croix, enfin avec la manière. Tout le monde m'a dit, bah attends, c'était même trop vite quoi. Enfin, vous vous rendez pas compte que. Waouh, j'ai déposé un paquet de stress, un paquet de. On t'attend ici et on me voit, je saute, je secoue la cage, je vais voir mes entraîneurs. C'est... Ouais, j'étais vraiment heureuse d'avoir réussi ce pari, quoi. Vraiment, peu importe ce qui allait arriver après, c'était déjà ma première étape de MMA. Ce premier combat historique féminin sur le sol français de MMA, nous avons une victoire française. Au premier round, en une minute.
minute 29 par chaos technique avec la victoire de Laetitia Blanc. Laetitia Blanc, the winner. Dans l'engouement, j'étais tellement heureuse. Et là, en fait, on me présente une dame. Il y a une dame qui arrive et qui me dit oh, félicitations. Je dis ah, bah, merci, c'est gentil, merci. Et Abdel, il me dit c'est la ministre des Sports. Et je me retourne et en fait, je la soulève et je la. Comment en fait on jetait les gens qui gagnent. J'étais fière de ce que j'avais fait, j'étais fière de elle, ce qu'elle avait fait, j'étais fière de MMA GP qui avait accompli ça, j'étais fière de mes entraîneurs qui avaient cru en moi et de mes partenaires qui me suivaient. Au début, je réalisais pas. Et en fait, c'est quand on m'a dit, Laetitia, t'es rentrée dans l'histoire. Aujourd'hui, t'as ta carte de Pictionary. C'est-à-dire qu'elle est la première femme française à avoir été dans une cage. C'est moi. Ou quand on va écrire l'histoire du MMA français, j'aurai mon nom. Je crois qu'on peut l'ovationner. C'est ça qu'on aime, comme c'est elle ça le mérite. Aime. De retour en direct de l'Arena Ice à quelques minutes du début du troisième tiers-temps de cette finale de la Coupe de France entre les Rapaces de Gap et les Ducs d'Angers. On se régale pour le moment, Pierre, 4 partout à l'issue de ce deuxième acte. Oui, avec deux tiers-temps totalement différents mais similaires, hein, puisque Gap qui menait 2-0 s'est revenu 2-2 par Angers dans cette fin de tiers, premier tiers. Et puis au deuxième tiers, totalement différent, avec une grosse domination d'Angers quand même. Et Gap a réussi à revenir. Alors qu'on revoit les buts là, et là effectivement, c'était... À Junca qui n'était pas parvenu à geler ce balai. Il a cru qu'il pouvait l'avoir, et donc du coup, parce qu'il avait plus sa crosse. Et quand il est revenu, Sarliev avait marqué le 3-2. Un shoot qui va tout doucement mourir dans la case de Junca. Et là, dans la foulée, ce beau palais récupéré par Serrer. Et au final, c'est Manning qui ajuste Junca. Ça faisait 4-2 à ce moment-là, effectivement. Défenseur qui est monté très haut, Manning, exactement. Là-dessus. Et à ce moment-là, Eric Blais a pris son temps mort. Supériorité là, numérique aussi. La hein. Supériorité numérique, effectivement. La charge de risque qui a beaucoup changé le cours des choses. Qui a tout changé, effectivement. Et là, dans la foulée, pareil hein, qu'au premier tiers, c'est Golicic qui récupère le palais. Correa qui se jette vers la cage. La passe arrive juste dans le bon timing, au bon endroit. Et c'est une cage vide pour Correa qui aurait pu se blesser d'ailleurs sur cette action. Et tout est à refaire pour les deux équipes. Alors, quel va être le momentum? Qui va prendre l'avantage? Est-ce que ça va suffire? Va-t-on tout droit vers des prolongations? On aura des réponses dans ces prochaines minutes, dans ce troisième tiers-temps. Et puis si on les aura pas, oui, à l'issue de ce troisième acte, on aura droit à des prolongations et pourquoi pas des tirs au but comme c'était le cas il y a 2 ans. Gutiérrez face à Allé pour l'engagement de ce troisième tiers-temps. 4 partout à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Nous sommes à 20 minutes, peut-être, d'une victoire en Coupe de France pour une ou deux ou l'autre équipe. Attention avec Allé qui vient mettre la pression en fond de territoire. L'Anglais qui récupère ce palais avec Mikelix. De l'autre côté, il dégage son camp avant tout. C'est récupéré par Jared Smith. Derrière les filets de Evan Collet. Smith qui temporise, qui attend l'organisation de sa formation et on décide de changer de part et d'autre. Là, on ne prend pas de risque. Évidemment, la formation qui va marquer la première dans ce troisième tiers-temps prendra un avantage certain. Torquato avec Sirg qui cède de la bande pour passer ce palais à Colotti. C'est récupéré par Manning avec Ardoa. Et la passe interceptée et Sirg finalement avec la possession. Sirg dans le coin pour Colotti qui tente de dégager son camp. Il est pressé par Sarliev avec Farnier qui récupère ce palais. Sarliev qui tente de lui remettre et Sirg finalement qui récupère Colotti dans le coin. Colotti qui repasse derrière jusqu'à Sirg. Avec Fort
pour Colotti. Attention, il y a une situation là pour les Rapaces. Colotti, la tête levée, il a toujours la possession de ce palais, Colotti. Il n'a pas réussi à prendre l'axe, il s'est retrouvé de l'autre côté contre la bande. Ça a été récupéré finalement par Ardoa. La passe sur le côté avec Roy derrière pour Oleg Sosunov. En tout cas, on attend du côté d'Angers, on attend le retour de Nicolas Ritz qui a effectivement cette pénalité à relancer Gap, mais surtout le 2 plus 10, d'un joueur clé. Le meilleur centre défensif de Angers. Oh, attention à Bouchard qui est passé une fois. Bouchard le tire en pivot et c'est bien arrêté par Julien Junca, le jeune gardien français de 23 ans. L'arrêt autoritaire dans ce début de troisième acte. Bouchard là qui avait repris l'axe et qui a malheureusement pour lui a tiré un peu en reculant, donc ça avait moins de force. Et Junca a pu récupérer ce palais dans la mitaine, la lucarne du droitier. Et donc effectivement le retour de. On attend le retour de Ritz parce que c'est quand même le meilleur centre défensif, c'est un certain équilibre dans cette. Attention avec ce tir de Danick Bouchard sur cet engagement remporté qui vient flirter avec la barre transversale de Julien Junca. Très important, on parlait des engagements, justement Nicolas Ritz avait un très très bon preneur d'engagement. Et Philippe Allais lui aussi. Et attention Bouchard qui récupère ce palais. Dimitri Thier finalement passeur décisif sur le but inscrit en avantage numérique des Rapaces de Gap qui vient mettre la pression en zone offensive. Roy, la passe à la bleue avec le lancer de Four. Attention ce palais qui traîne, il y a eu du sacrifice et notamment celui du numéro 20, Kevin Dussault. Roy qui met ce palais en zone offensive avec Yorka. Il vient trouver Bouchard sur le côté, on s'organise du côté des Ducs. Yannick Bouchard qui met ce palais en fond de territoire, c'est récupéré par Chad Langlais. Louis Sirgue devant lui pour Pierre Robert en zone neutre. Marius Serreur, l'ancien joueur des Gothiques formé là-bas. Jared Smith, le 1-2 avec Marius Serreur, pas parvenu à rentrer en zone offensive. Avec la charge de Paul Joubert sur Patrick Colombe, le capitaine et défenseur des Ducs. Louis Sirgue pour trouver Bourgeois avec Joubert sur le côté. Ouais, la passe de Joubert qui a été interceptée. Et attention, ça peut amener à une situation là. Didio Balsamo, attention, toujours Didio Balsamo, le tir. Qui est passé malheureusement, à côté. Il n'a pas trouvé Raglas. En tout cas, les mises en échec qui sont complétées. On finit les mises en échec des deux côtés. Didio Balsamo, le lancer, il y avait beaucoup de trafic là devant les filets de Julien Junca avec Sirgue, Joubert. Ils mettent la pression dans ce début de troisième tiers. Les hommes de Ethan Goldberg avec Ardoa en angle fermé, le tir du revers. Ça a été bien bloqué au premier poteau par Julien Junca. Oleg Sosunov qui tente de faire le ménage. Mais attention, il remporte de nouveaux duels. Les Ducs. C'est Abouvé là qui avait trouvé le shoot au premier poteau. Sirgue derrière lui pour Mikevix à qui parvient à dégager son camp avec l'accélération de la garde. Manning qui vient mettre la pression et qui vient bloquer le joueur des Rapaces. La garde. Mikevix, ouais, il sort de vainqueur et avec la possession de ce palais, les hommes de blé avec le tir en angle fermé. On a cherché le dos du gardien des Ducs. Finalement, c'est passé à côté de lui. L'anglais pour Alex Osunov. La passe pour la garde. Qui se but en avantage numérique, lui qui a réduit l'écart. Attention avec Morin Bouvet qui est trouvé. Pour plus le contrôler ce palais dans l'axe. Oh, attention, palais qui est mis en fond zone. Bouvet qui demande le changement, Sarliev dans le coin, c'est récupéré par Oleg Sosunov avec Julien Correa, auteur du but égalisateur. Sarliev, buteur lui aussi dans cette partie. 8 buts inscrits dans ce match, 8 buteurs différents. Bozan Golicic, buteur et passeur dans cette partie qui vient mettre ce palais en fond de territoire. Cherche Correa, c'est finalement Yorka qui est le premier sur ce palais. Yorka pour Farnier, ouais, qui parvient à dégager son camp fort. Déjà 5 minutes de jouer dans ce troisième tiers-temps. Correa. Attention, il y a du champ devant lui. Ça se referme vite avec la présence de l'international français Vincent Lurka. Et attention, ce palais qui est récupéré. Le tir du revers de Bosan Golicic.
qui ne trouve personne. Sirg, le tir, c'est bloqué cette fois-ci par Bouchard. Qui a de l'énergie dans ce match. Bouchard, un très très bon match. Allez, pris par Fort. Bouchard. Bouchard, le décalage sur le côté, on prend des risques pour conserver ce palais en zone offensive, mais on y parvient du côté des Ducs avec Robin Gabory qui vient trouver Philippe Allais derrière les filets. La passe derrière lui. Premier poteau là, derrière la cage. Roi. Avec Coulombe. On cherche à bien défendre hein, de part et d'autre dans ce troisième tiers-temps. Jared Smith derrière pour Coulombe. La passe pour Bouchard. Qui vient mettre ce palais en fond de territoire. Oleg Sosunov, le nouvel arrivant qui vient trouver Roy devant lui. Ouais, ça a été bloqué. Et mis en fond de territoire finalement par Roy. C'est récupéré par Manning. Ouais, qui vient lancer Gunter. La nouvelle offensive pour les Ducs. Gunter derrière lui. Ouais, que c'est bien joué. La passe dans le dos avec le tir. Et ça a été bloqué finalement. Il n'a pas trouvé Manning là. Il n'a pas trouvé l'axe. Ah, l'énorme charge de Gunter avec Manning. Attention à cette situation. Ardoa qui est pris par Oleg Sosunov. Et attention, il y a un joueur qui est parti. C'est Robert. On n'est pas parvenu à le trouver. Quel travail de Cédric Didio Balsamo. Avec Robert derrière pour Joubert. Attention à cette situation, peut-être avec le tir qui passe à côté des filets de Evan Collet. L'anglais. C'est récupéré par Cédric Didio Balsamo, à qui préfère temporiser et repasser derrière, tandis que Nicolas Ritz est prêt à jaillir de sa boîte des pénalités. Mais il faut attendre un arrêt de jeu. L'anglais devant lui pour Mikelix. Gutiérrez avec la garde. Situation là pour les Rapaces avec ce palais qui a été légèrement touché par Evan Collet. 12 minutes et 23 secondes encore à faire avant la fin du troisième tiers. L'anglais, le tir lointain et le sacrifice de Vincent Liorca qui lui aussi fait son match. Défenseur des Ducs, Bouvet qui cherche Giroud et s'est récupéré finalement par le capitaine. Le tir lointain de Gutiérrez pour venir chercher un engagement en zone offensive. Et enfin, Nicolas Ritz va pouvoir entrer en jeu. Oui, parce qu'on a une longue séquence à sans arrêt de jeu encore une fois. Et aller d'un côté à l'autre avec à chaque fois il manque un petit quelque chose pour que ça aille au fond, pour qu'il y ait une occasion franche. C'est les défenses actuellement qui prennent le pas sur les attaques, en tout cas dans la réussite. Nicolas Ritz, il est directement mis sur la glace. Et un engagement en zone défensive bien sûr. Et il l'engagement évidemment est remporté par l'international français avec Jared Smith. Smith, allez, l'incursion en zone offensive. Coulombe. Coulombe qui cherche et trouve Bouchard. Bouchard, on est bien placé là du côté des Rapaces. On récupère ce palais et on peut le mettre en fond de zone avec Bojan Golicic. Bourgeois pour venir fermer. Bourgeois qui vient trouver Golicic. Golicic, le tir en pivot qui a été légèrement dévié, c'est récupéré par les Ducs. Avec deux formations qui défendent bien dans ce troisième acte. Oh, attention à Ritz qui vient faire la différence. Il a cherché la lucarne derrière et s'est arrêté par Julien Juka. C'est pas terminé, Manning sur le côté. À la sortie de son dribble, là, Ritz qui s'était infiltré. Sortie de son dribble, il a cherché la lucarne droite. Juka a interposé son grand, il n'a pas réussi à le bloquer, mais en tout cas, il l'a arrêté. Les duels qui font rage, mais attention à ce palais récupéré par les Ducs. Le tir sur réception qui est manqué de la part de Loïc Farnier. Ça a été bloqué à la bleue par Ardoa. Temps fort pour les Ducs qui font circuler ce palais en zone offensive avec Sarliev, buteur dans cette partie. Et ça a été récupéré finalement. Lorraine. Lorraine, attention, partie de flipper finalement, un coup de sifflet de l'arbitre. Il y a eu hors-jeu du coup avec ce coup de flipper. Comme vous dites, et là on va revoir le shoot de Ritz, la sortie du dribble. Et là ça allait pleine lucarne. Hein. Il était entre quatre joueurs. Gap pensé, Nicolas Ritz. Il a du jus, Nicolas Ritz. Il s'est reposé là pendant 12 minutes. Il a de l'énergie à revendre, Nicolas Ritz. Il y a aussi beaucoup de talent. L'anglais, Joubert.
La remise en une touche pour Oé. Chapuis avec Robert. Ça a été dévié. Lorca. 10 minutes et 16 secondes encore à jouer dans cette finale de Coupe de France. Attention à cette situation. Le palais qui traîne et qui est finalement récupéré par Evan Collet. Ah, c'était Robert là, qui était passé derrière la cage, qui a essayé de retrouver Chapuis. Collet s'est interposé. Là, on voit. On va chercher deuxième poteau. On n'était pas loin, oui. Effectivement, un coup de billard. Ça rentre directement. Et l'engagement qui est remporté en zone offensive par les Rapaces avec la garde. C'est récupéré finalement par Jared Smith. Ouais, qui se retourne, fait la différence et vient lancer Marius Serreur devant lui. La passe de Serreur pour aller Gunther. Didio Balsamo et entre les jambes. Oh, que c'était bien fait. Quelle remise de la part de Cédric Didio Balsamo. Et finalement, le lancer qui passe à côté des filets de Julien Junca. Avec Coulombe. Ouais, du revers. Le tir qui passe à côté. Gunther. On est rentré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette finale de Coupe de France. Et toujours égalité au tableau d'affichage, 4 partout. Et le coup de sifflet, c'est un hors-jeu qui est signalé. Allez, plus ça, plus le temps passe et plus on se rapproche du chaos. Et contrairement aux autres tiers-temps, eh ben, il ne faut pas jouer avec la peur au ventre là, oui. Exactement. Chaque jeu est important. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de peur dans les deux équipes, mais là effectivement les défenses ont un peu pris le pas, les défenses des gardiens de but. Et c'est vrai que contrairement aux autres tiers-temps, il y a eu des buts finalement assez rapides. Bon, attention, Goletzis qui a oublié le palais et ça peut donner une situation aux Angevins avec Bouchard, la passe derrière pour chercher Nicolas Ritz. Ce palais qui arrive finalement à la bleue jusqu'à Ardoa, le lancer bloqué par Arnaud Faure qui tente de dégager son camp et qui y parvient. Ça va être attrapé par Ardoa tout de suite, la relance rapide. Bouchard, pas de dégagement, refusé. Ritz. Ritz qui résiste à fort, à une main. Ritz, c'est bien joué de la part de Nicolas Ritz. La passe à la bleue pour le tir de Yorka. C'est récupéré par Bouchard qui a essayé en pivot, en toupie. Et ça a été bloqué finalement. Bouchard, attention, ils sont en train de pousser les Angevins. Le premier tiers avec le tir en pivot. Allez. Bloqué direct. Philippe Allais. Est pris par Roy. Lui aussi excelle dans les jeux défensifs et il est passé. Attention offensivement. Roy toujours en possession de ce palais en zone offensive. La petite passe par-dessus. Roy, c'est récupéré par Lorraine. Qui a lui aussi beaucoup d'expérience. Hein. Il n'a pas gagné la coupe avec Gap, mais je pense qu'il a dû la gagner avec Briançon et peut-être même avec Grenoble. Il peut jouer attaquant et défenseur. Tout à fait. Roy. Précieux dans toutes les situations. Attention avec Dussault, le petit palais mis en fond de zone. Et Giroud qui vient mettre la pression sur Bourgeois, qui s'en sort avec la possession. Il cherche Thier, mais attention les Caponçais qui ne sont pas parvenus à dégager leur camp. Bourgeois, lui, met ce palais en dehors de la zone défensive. Chapuis avec Jared Smith. Chapuis. On se rapproche tranquillement, mais sûrement du Money Time. Giroud. Ouais, la petite passe par-dessus pour trouver Morin Bouvet. Derrière, la passe pour Coulombe, le décalage pour Jared Smith. Oh, attention, le tir enchaîné après la feinte. Et c'est un arrêt pour Julien Juka. Attention à ce palais qui traîne. Oleg Sosunov, finalement, qui parvient à dégager son camp. Il domine les hommes de Ethan Goldberg. Seul joueur du trio magique d'Angers qui n'a pas marqué, hein, c'est Giroud. Peut-être lui qui va trouver la faille comme il l'avait trouvé au bout de la séance de pénalty il y a 2 ans. Oh, attention avec Gutiérrez, la sortie de Evan Collet. Le palais qui est dans le coin avec Gutiérrez. Farnier qui vient mettre la pression sur Gutiérrez. Et ils sont importants, ces duels à remporter là dans les coins à ce moment-là du match. Et c'est Gutiérrez qui le remporte. La passe pour la garde. 6 minutes et 44 secondes. Oh, attention, l'anglais qui est trouvé. Le tir qui passe à côté du filet de Evan Collet. Mikevix. Autour des hommes de Eric Blay d'avoir un temps fort en zone offensive. Finalement, ça a été récupéré par les Angevins qui peuvent se dégager. Mikevix. Mikevix, la passe de l'autre côté avec le tir. Et finalement, ouais, c'est la crosse de Yorka qui vient se mettre en opposition. Et Palais qui termine sa course sur le filet de protection. Eh oui, 6
minutes 24, il reste. Là, effectivement, on se rapproche presque de la mort subite. Hein. Prochain qui va marquer. Oh oui, dans les 5 dernières minutes. Quoique, avec le scénario qu'on tout a avec. Fait, exactement. Début avec, en 2 minutes là. Le ressort pour ces deux équipes. Hein. Rien n'est acquis en tout cas. Deux fois, deux buts ont été inscrits en moins d'une minute. Une fois par Angers et une fois par Gap dans ce match. Marius Serreur, ça s'est bien refermé autour de lui. Bourgeois. La passe pour Correa. Il est pris par Didio Balsamo. Oh, il a trouvé le bon décalage avec Sirg. Le tir et s'est arrêté par Evan Colley. C'est pas terminé. Louis Sirg à la bleue. La passe devant lui pour Colotti qui cherche Golicic. Ça a été finalement bien bloqué par Vincent Liorca. Qui est énorme dans ce troisième tiers, le défenseur international français. C'était Correa qui avait trouvé Sirg à l'autre bout de la zone. Liorca. Avec le palais qui est mis en fond de territoire, l'anglais Sosunov qui est pris par deux joueurs. Attention, on met la pression là du côté des Ducs. Sosunov face à Ritz. Forcément, c'est pas évident de bouger le grand gabarit de 2m06. Mais il s'en sort avec la possession, Nicolas Ritz, pris par l'anglais. On a deux profils complètement différents hein, dans cette défense des rapaces là entre Sosunov et l'anglais. Un qui est un petit peu moins mobile que l'autre. On dira pas lequel. Qui est un peu plus grand que l'autre. Voilà, c'est ça. Roi, attention, l'incursion en zone offensive. Wow, attention, le raid. Oh, qui est parvenu à faire la différence. Et le tir derrière en angle fermé qui est bloqué par Evan Collet. Lorraine qui avait le palais du match là, au bout de la crosse. Et Bouchard, peut-être lui aussi. Le tir, et ça a été bloqué par Chad Langlais. Et Lorraine là, il avait réussi à passer son vis-à-vis. Il a essayé un dribble sur la gauche et gardien Angevin a dit non. Là, on revoit là, sur cette action Lorraine qui s'est infiltré là, qui va récupérer le palais. Il avait passé son. Et en fait, il n'a pas pu, oui. Il a dribblé, mais il se fait contrer au dernier moment. Et après, quand il shoot, il est derrière la cage. C'est toujours moins facile. Sarliev, le tir en pivot, ça a été bloqué par Julien Junca. Fort. Et toujours pas de prix sain hein, dans ce troisième tiers-temps. Du côté des rapaces, attention à Gutiérrez qui récupère ce palais en zone offensive. Romain Gutiérrez, le capitaine des rapaces. La passe à la bleue pour Bourgeois. Le décalage pour Fort. Le tir lointain, ça a été bloqué par Sarliev. Manning. On n'arrivera jamais à cette case. Ouais, ça voudrait dire qu'on joue à 5 défenseurs là du côté des rapaces. Farnier. Pour Bourgeois, la passe en une touche, c'est directement sur Manning. 3 minutes et 49 secondes à faire avant la fin du temps réglementaire. Et pas de but dans ce troisième tiers-temps de cette finale de Coupe de France. Allez, qui vient mettre la pression sur Bourgeois. Allez, la charge. Et Morin Bouvet qui est arrivé de très loin pour récupérer ce palais. Avec Philippe Allais, attention, la passe. Oh, on avait cherché il a cherché Tommy Giroud, son compère et compatriote. Coulombe qui parvient à maintenir ce palais en zone offensive, que c'est bien joué avec Philippe Allais qui trouve Tommy Giroud. Il est passé. Giroud derrière les filets de Junca. Tommy Giroud, le tir, oh, il a cherché la lucarne là-dessus. C'est arrêté par Julien Junca. Le temps fort pour les Ducs d'Angers dans ces dernières minutes avec Robert. La passe derrière lui qui vient trouver fort. Bourgeois. La passe de l'autre côté, attention avec Robert. Le tir puissant à mi-hauteur, arrêté par Evan Colley. On est rentré dans les trois dernières minutes du temps réglementaire. Autant dire que les prolongations ont déjà commencé, Pierre. Oui, oui, ou presque. Pas tout à fait, on l'a dit, mais c'est vrai que l'équipe qui va marquer là va prendre une grosse option. Guenther qui vient mettre ce palais en fond de territoire. Finalement, ce sera en dehors des limites directement. Avec ce palais qui est arrivé jusqu'à un photographe, mais... apparemment, c'est un objectif de casser. Tant que c'est matériel. Voilà, c'est ça. Tout va bien. En tout cas, la grande classe du gardien remplaçant Darrier qui est mis aux nouvelles tout de suite du photographe. Plus de peur que de mal. Oleg Sosunov. L'incursion en zone offensive. Le palais qui est mis en fond de territoire avec Manning.
Smith qui ne parvient pas à dégager son camp. Et attention à Correa qui récupère ce palais Boston. Golicic à bout portant. Il était tout seul. Le tir du revers bloqué par Evan Colley. Il a essayé de tirer entre ses jambes de revers. Il s'était retrouvé tout seul. Avec effectivement pas une grande visibilité, mais Colley a dit non encore une fois. Il tire bien la baraque. Colotti pour l'anglais. Ouais, qui se retourne. L'anglais. Le palais qui met en fond de zone avec Correa. La passe. Attention, c'est récupéré par Boston. Golicic cherche la déviation de Colotti. Avec Correa. Effectivement, les gars pensés qui poussent dans ces deux dernières minutes. Et c'est récupéré ce palais. Pareil, les Gunter qui vient mettre ce palais en fond de zone. Junka qui ne parvient pas à récupérer ce palais. Et il y a Nicolas Ritz, l'international français, qui est le premier dessus. Ritz pour trouver Bouchard. Oleksandr Soudov et sa longue allonge. Mais Bouchard qui conserve ce palais. Oh, il a cherché Gabory là-dessus. Coulombe. Pour Gabory, Correa, longue présence pour le Français qui est redescendu défendre évidemment avec Gabory. 1-24 encore à faire, le tir en pivot de Gabory. Oh, il a cherché la déviation de Nicolas Ritz. Les duels se font encore plus fort, on donne ses dernières forces bientôt dans la dernière minute. Ritz derrière lui, Correa est toujours aussi présent là sur la glace, ça fait c'est un 2 contre 2, 2 contre 2. Et attention à cette situation avec Lorraine qui fait son match lui aussi. La passe de l'autre côté pour Bouchard, 53 secondes encore à faire. Le tir de Bouchard, l'arrêt de Junka qui va ne prendre aucun risque là-dessus. Ouais, avec un engagement à 50 secondes de la fin dans attention. La zone offensive avec le premier bloc Angevin. Qui vient faire pour son dernier chiffre. Allez Giroud, Bouvet. De l'autre côté, on a qui ? Lagarde. Gutiérrez. Gutiérrez. L'engagement, il vaut cher, il vaut cher. Face à Allez. Et l'engagement, il est remporté par les Ducs. Ouais, il a été en match nul. Le tir lointain. Oh, de Liorca qui est bien bloqué par Julien Junka, 37 secondes encore à faire, la déviation entre les jambes de Gutiérrez et attention à Philippe Allais et la porte s'est fermée devant lui, il y a fort, mais attention à ce palais qui arrive jusqu'à Bouvet, la situation, le tir en angle fermé, Pique et Vix, qui vient dire non à Tommy Giroud juste devant lui, il avait fait la différence, l'attaquant canadien dans ses dernières secondes et on en reste à 4 partout pour le moment. Ouais, Giroud qui avait récupéré ce palais, qui n'a pas pu, qui a essayé de le feinter, d'aller le plus loin possible, mais Junka a allongé sa jambe pour arrêter ce palais. Mais ça, en tout cas, pas c'était, à grand chose. C'était la balle de match. On va revoir. On voit cette combinaison là. La petite passe dans l'axe. Il attend. Et la jambe qui a été. Je sais pas si, Junka a fait l'arrêt ou si Mikelis l'a empêché, mais il sent quand même qu'il y a eu chaud. Je pense aussi. On va dire que Mikelix l'a gêné fait. Sur son lancer. Quelle merveilleuse passe, je me sens que c'était Bouvet qui avait trouvé effectivement. Giroud, là, elle est sublime cette passe. Et attention, il reste 10 secondes. Bouchard qui n'est pas passé en 1 contre 1. Joubert. Et on y de va l'autre tout côté droit. Pour Dimitri Tietti. Oui, droit. On y va. On va les avoir. C'est prolongation. Et c'est la fin du temps réglementaire dans cette finale de Coupe de France. Entre les Rapaces de Gap et les Ducs d'Angers. Et pour notre plus grand plaisir, on va avoir droit à des prolongations dans cette partie. Et incroyable, hein. Le troisième tiers, pas du tout comme les deux précédents, puisqu'il y a eu zéro but, mais il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a eu de part et d'autre l'occasion de tuer ce match. Les gardiens ont été vainqueurs de ce troisième tiers. Et on l'a vu encore sur ce dernier arrêt de Junka devant Giroud. On va tout droit dans cette prolongation, qui sera une prolongation de 5 minutes à 3 contre 3. Et là, va y avoir des espaces. Ah oui, oh là là, oui. Il y a de l'espace. Et quand on connaît les forces offensives de chaque côté, hein, que ça soit bien sûr. On risque de se régaler. Et on va revoir tous les buts de cette partie inscrits dans le temps réglementaire. Et c'était parti. Ça a bien commencé, oui, pour les Rapaces. Le Suédois là qui rentre. Lorraine, hein, qui trouve la lucarne droite tout de suite derrière. Ce bijou de passe de Correa pour Golicic, ça faisait 2-0. Et à la fin de ce tiers-temps, alors on revoit effectivement Golicic à sa façon qui marque ce but offert. Et la réaction d'Angers avec dans les deux dernières minutes.
Voilà, ce shoot de la bleue, allez, qui marche dans la cage vide. Et là, pareil, un shoot dans l'axe, intercepté par Bouchard en pivot. Il va trouver le bouclier de Junka et ça fait de partout. C'était le premier comeback de cette partie. Il y en a eu des rebondissements. Ah ouais, là, sur leur lancée, on va dire que Angers, là, avec Junka là, qui avait perdu sa crosse et qui va un peu à la pêche. Et c'est Sarliev qui en profite pour donner l'avantage pour la première fois à Angers. C'était en début de deuxième période. Là, on voit Junka là, qui pense avoir le palais, mais finalement, il n'a pas eu le temps qu'il revienne. Le palais dans, au fond de sa cage. 3-2. Et derrière, cette passe qui trouve Manning ajuste pour le 4-2. On se dit qu'Angers a une partie de la coupe dans la main. Mais c'était le temps sans mort, compter voilà. Sur la réaction. Oui. Exactement, le temps mort pris par Eric Blé, le power play et la garde là. Le bijou de passe de Thier trouve la lucarne gauche sur cette interception. Golicic dans la foulée met un contre de folie alors qu'on n'est pas loin du hors-jeu, mais Correa était à la limite et à la limite aussi pour marquer ce but qui égalisait. Ça c'était effectivement à la fin du deuxième tiers, 4 partout. Si vous deviez donner un homme dans son réglementaire de part et d'autre, un joueur, c'est dur. Moi j'ai bien aimé Bouchard qui a été excellent. Buteur. Et Golicic aussi de l'autre côté. Buteur, passeur, Golicic. Correa dans aussi, ce match. Ouais, les deux se sont bien trouvés, ah, hein, ouais. Correa. Effectivement. Et Golicic. Dans ce troisième tiers, hein, les deux gardiens ont donné effectivement de la voix. Et c'est justement tout ce qui les attend. Hein, parce qu'entre la prolongation, où il y aura forcément des opportunités pour les attaquants des deux côtés, il va falloir que les gardiens soient très très forts. Et s'il n'y a pas de but, et ben on verra ce qui se passe derrière. Mais en tout cas, les tirs au but peuvent nous apporter beaucoup de choses. Les entraîneurs ont choisi leurs hommes pour cette prolongation, pour cette finale de la Coupe de France. Gutiérrez, Mikevics et l'Anglais du côté de Gap. Et de l'autre, allez, Giroud et Coulombe. C'est parti pour cette prolongation à la clé. La Coupe de France. Et la possession du palais tout de suite en jeu vine. C'est très important à 3 contre 3 la possession du palais. Allez. Philippe Allais, attention, qui décide d'y aller tout seul. Philippe Allais à une main. Oh, attention, Julien Junka qui vient prendre un énorme coup. Il est sonné, Julien Junka. Et Philippe Allais qui s'est empalé sur le portier des Rapaces. Ouais, il avait le palais que d'une seule main. Il a essayé de... Et après, Allais a subi un peu les foudres de la défensive. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que va décider? Alors, c'est de la faute à qui? Est-ce que c'est l'Anglais qui le pousse sur son portier? Ou alors... Est-ce que c'est Allais qui vient s'empaler sur Julien Junka? Et il avait le palais, il a shooté en même temps. Il n'a pas essayé de l'éviter en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il avait le palais que d'une main? Bien sûr, il n'a pas récupéré le palais de main. Que vont décider les arbitres? Est-ce qu'il va y avoir une pénalité? Ouais. Est-ce qu'on en reste là? Et attention, il y a potentielle blessure là pour Philippe Allais qui rentre directement au banc. Ouais, mais parce qu'Allais a pris un coup derrière. Et la discussion là entre Bozan Golicic, Coulombe et les arbitres. Coulombe fait signe qu'il ne pouvait pas se dégager Philippe Allais, qu'il n'avait pas le choix que de rentrer sur Julien Junka. Et je pense pas qu'on puisse demander la vidéo sur une action pareille. En tout cas, oui, grosse responsabilité là. Alors, sur les minutes, des arbitres. 2 minutes. On va donner 2 minutes à Allais. Ouais. En tout cas, les gestes ont montré que. Attention, les Rapaces, c'est du 100% dans cette partie, en avantage numérique. Alors, un power play, un but. Est-ce que c'est effectivement 2 minutes? Est-ce qu'on... Attention. Ouais, il me semble quand même. Parce qu'effectivement, il n'a pas cherché à éviter... Ou alors, ah oui, mais attendez, alors c'est... Ah, il y a Gutiérrez aussi hein, qui est chassé de l'autre côté pour la réaction peut-être. Donc les deux vont en prison, donc ça va être statu quo, 3 contre 3. Parce qu'effectivement, Allais est arrivé. Moi, je dirais 3 contre 3. Oui. Voilà, parce qu'Allais est arrivé, il n'a pas cherché du tout à éviter le gardien. Bon, il n'a pas non plus cherché à le blesser, donc c'est 2 minutes. Et le coup qu'a mis Gutiérrez derrière...
Ben, ça vaut 2 minutes. Et donc finalement, ouais, ces deux formations qui sont privées d'éléments importants pour cette prolongation. Philippe Allais d'un côté et de l'autre c'est Romain Gutiérrez. Et on va pouvoir reprendre donc ce 3 contre 3. Golitsic, Correa, l'anglais du côté des Rapaces de Gap. Et de l'autre, il y a Nicolas Ritz, il y a Tommy Giroud et il y a Manning qui est à la bleue du côté des Ducs. Ça a commencé très fort. Alors, pour cette prolongation. Oui. Alors il y a un peu de confusion à la table de marque, là on est en train d'expliquer les pénalités. Mais normalement, effectivement, ce sont des pénalités qui ne sont pas inscrites au tableau d'affichage, oui bien sûr. Ritz face à Golitsic pour cet engagement en zone offensive pour les Ducs. Et ça a été dégagé directement. Et Correa qui vient mettre la pression sur Manning. Oh attention, et la passe et Nicolas Ritz. Ils sont saisis finalement de ce palais. 4 minutes 30 à faire avant une éventuelle séance de tir au but. On revient tous ensemble du côté d'Angers. Ritz, la passe sur le côté pour Manning. La charge de Correa, mais Manning qui conserve ce palais. Manning sur le côté pour chercher Tommy Giroud. Parce évidemment, que l'objectif c'est de garder la possession quoi qu'il arrive, quitte à quitter la zone offensive. Oui, parce que les gars poncés n'ont pas encore touché au palais hein, depuis le début de cette prolongation. Ritz. Oh attention, Nicolas Ritz. Le tir s'est arrêté par Julien Junca. Et derrière le rebond, il est saisi par Correa. Qui y va? Correa qui remonte ce palais. Correa qui est passé une fois. Les gars poncés à l'attaque. Attention, le troisième homme, c'est Colotti. Oui, attention, Correa qui a été contraint de sortir de la zone offensive. Mais quel pressing signé Bouchard. Colotti va attendre que Correa ait changé pour la garde. Accélération de Colotti. Il y a Bourgeois à droite qui va avoir ce palais dans le coin. Bourgeois derrière lui pour retrouver Colotti. Les gars pensés en zone offensive. Colotti. Oui, la passe récupéré, pour personne, c'est récupéré par Bouvet. Et l'accélération de Morin Bouvet. Le palais qui est mis dans le coin, la sortie de Julien Junca qui prend des risques. Attention, c'est récupéré par Bouchard. Et Junca qui n'est plus devant, c'est filé. Attention, il n'y a plus de gardien. Bouchard, le tir. Et derrière, Julien Junca qui fait l'arrêt. Ah, Junca qui était parti un peu à la pêche là. Et qui s'en sort bien quand même. Bouchard à la lutte avec Lagarde, que c'est dur de prendre le palais à Danick Bouchard, la passe arrière pour Colombe. Il s'est arrêté, il va trop pouvoir choisir. Colombe, assez... il peut faire une Michigan, attention. Colombe, derrière les filets de Julien Junca, Colombe, la passe derrière pour Romain Gabory. Le tir dans la feinte de Tommy Giroud, la remise pour Colombe, le tir qui a été bloqué par Bourgeois. Et derrière, le défenseur des Rapaces qui peut dégager son camp. Ah oui, on a cherché peut-être un peu trop compliqué. Giroud et l'homme italien, attention. Ouais, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Gabory là-dessus, il y avait Giroud qui était parti. Attention, Gabory qui est passé deux fois. Et c'est fini. Romain Gabory, le héros de cette rencontre. Il permet au Duc d'Angers de remporter la Coupe de France. Oui, incroyable parce que Gabory qui avait perdu un peu le palais dans la zone neutre en essayant de trouver son coéquipier, il est rentré, il a repiqué dans le milieu et il a trouvé un bijou de shoot. Ras du poteau, mi-hauteur, Junca n'a rien pu faire et Angers remporte la coupe. C'est la troisième Coupe de France de leur histoire et forcément c'est cruel pour les Rapaces de Gap, forcément ça aurait été cruel pour une ou l'autre équipe tellement ce match aura été disputé. Oui, mais sur l'ensemble de la prolongation, Angers mérite quand même parce que là on revoit le bijou de shoot, là, il rentre, il repique au milieu et sortie de dribble, boum. Et voilà, c'est la lucarne et en tout cas, c'est vrai que sur l'ensemble de la prolongation, c'est quand même Angers qui a eu quasiment tout le temps le contrôle du palais dans cette prolongation. Et en tout cas, oh, qu'est-ce qu'on s'est régalé dans cette finale de Coupe de France. Quel spectacle proposé par ces deux formations. 5 buts à 4 à l'issue des prolongations. C'est Romain Gabory qui a marqué le but vainqueur. Et il avait possibilité de passer ce palais pour une échappée de Tommy Giroud. Il s'était un petit peu emmêlé les pinceaux. Oui, mais puis derrière, qu'est-ce qu'il s'est bien rattrapé. Oui, parce qu'en fait, ça a fait reculer toute la défensive. Il a pu rentrer dans la zone et il a mis un deuxième effort incroyable parce qu'il a repiqué dans le milieu. Il a effacé son vis-à-vis. Il s'est mis bien dans l'axe et le shoot imparable, ras du poteau, dans la lucarne, mi-hauteur lucarne.
Et c'est lui le héros, oui. C'est lui le héros du match du coup, Robin Gabory. Et oui, c'est lui qui permet à sa formation de remporter une nouvelle Coupe de France. Et toujours pas de Coupe de France dans leur histoire du côté des Rapaces de Gap. Ils sont passés si proches. Oui, ils se sont très bien battus. De remporter ce trophée pour la première fois de leur histoire. Ils sont bien battus, ils ont mené au score de 0, ils sont revenus à 4 partout. Ils auraient pu, ils ont eu aussi des opportunités, hein, notamment à la fin du troisième tiers, ils auraient pu effectivement aller chercher ce but synonyme de victoire. Et évidemment, on va missionner ensuite hein, Franck Pateau d'aller chercher le héros de cette partie, Robin Gabory, qui a marqué ce but vainqueur. L'attaquant des Ducs d'Angers, ça fait un petit bout de temps en plus hein, qu'il est dans cette équipe. Et l'attitude très classe des Rapaces de Gap qui assiste à la joie des Ducs d'Angers qui se sont fait peur. Hein. Ils menaient 4 buts à 2. Les Rapaces sont revenus à 4 partout et on aperçoit le trophée Pète la Liberté qui fait son entrée à l'Arena de Sergi Pontoise. Pète la Liberté, un monument du hockey français hein, qui a été un très très grand joueur bien sûr, un très très grand entraîneur de l'équipe de France pendant presque une quinzaine d'années et qui voilà, oh oui. Il représente par cette coupe hein, tout ce qu'il a apporté au hockey français. Ce magnifique trophée. Et toute la détresse. Oui, les gars pensaient. Que peut-être, je ne sais pas si c'est son fils, mais en tout cas. Ça en a l'air. Et les supporters angevins qui exultent, hein, ils sont venus en nombre. Ils sont très nombreux. Voilà, oui. ils ont eu l'avantage, effectivement, comme ils se sont qualifiés plus tôt, de pouvoir rafler presque tous les tickets qui traînaient. Sauf les 300, bien sûr, réservés à chaque contingent. C'est plus facile aussi hein, de venir de Angers plutôt que bien de Gap. Sûr, bien c'est sûr, un peu plus proche. Mais les gars, pensez à hein, une grande ville de hockey, une équipe qui. Voilà, un public très très passionné dans leur belle patinoire. Ils méritaient peut-être mieux. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a vécu une belle finale avec une incertitude totale jusqu'au bout okay, de cette prolongation. Oui. Et c'est un but en or finalement qui a été inscrit. Et c'est aussi la dernière année que ce trophée va être distribué. Il y en aura un autre design pour les saisons à venir, pour cette Coupe de France. Et d'ailleurs, je pense que les supporters français peuvent voter pour... Effectivement, sur le site de la Fédé. Je crois qu'il y a trois coupes différentes et voilà, à voir qu'est-ce qui va remplacer ce magnifique trophée un peu comme un vase de Sèvres. Et ce sera plutôt une coupe qui remplacera, une coupe en métal qui remplacera cette belle coupe Pique la Liberté. En tout cas, les Angevins hein, qui sont quand même présents au haut niveau, qui ont effectivement fini deuxième la saison dernière, qui sont toujours deuxième du championnat et qui trouvent un trophée. Hein, ça fait plusieurs années qu'ils sont quasiment au top. Et forcément, toute la joie des Angevins qui exultent. Effectivement, une belle fin de saison à venir. Et le travail des entraîneurs, hein, le nouvel entraîneur qui effectivement est arrivé mais dans un collectif qui était déjà bien huilé avec le coach assistant Alexis Billard hein, qui est là depuis plusieurs années maintenant. Et je pense que cette équipe a encore des choses à faire cette saison. Hein. Ils sont deuxièmes actuellement, il va se passer des trucs. Et avec la formule des playoffs cette année, effectivement, on va pouvoir... voir à l'œuvre cette équipe d'Angers qui va essayer de détrôner les deux favoris que sont bien sûr Grenoble et Rouen. Tandis que Franck Pateau est avec Robin Gabory, le héros du jour. Bah oui, j'arrêtais pas de courir derrière lui, mais il court plus vite que moi. Bon, bah c'est super, hein, c'est vraiment une belle victoire. Ouais, c'est magnifique. Écoute, le scénario, si on avait pu s'en passer, on l'aurait fait. Mais c'est une victoire de dingue. Gagner un match avec les tripes comme ça, dans un suspense, c'est magnifique. Écoute, on a une fête incroyable, nos supporters ont fait le déplacement, c'est des émotions de fou, c'est incroyable.
la décision là, comment elle a été faite cette décision, est-ce que c'était travail avec l'entraîneur sur le dernier but? Bien sûr. Non. Écoute, 3 contre 3, l'important c'est de garder le contrôle du palais et les lancer, de les prendre vraiment dans le milieu pour que ça soit dans un endroit dangereux et pas perdre le palais pour rien. Là je déborde, je suis un peu à l'extérieur, je vois un espace dans le milieu, je recoupe et je prends mon lancer. Écoute, tout n'est pas calculé dans le sport et c'est ce qui fait la beauté du sport. Mais ça s'est fait comme ça et ça finit bien, c'est parfait. Est-ce que tu as envie de dire quand même un petit mot aux supporters? Ouais, merci à tous. Ceux qui se sont déplacés, merci. Ceux qui ne se sont pas déplacés, je sais que c'est pas par volonté, c'est parce que les places étaient chères et que vous auriez bien vécu ça avec nous. Mais on vous embrasse tous, merci de votre soutien. Et on arrive à Angers, donc soyez prêts, on se retrouve au mat. Merci beaucoup. Oh, quelle émotion! Il a l'air vraiment heureux, Robin Gavory, ça fait plaisir à voir. Oui, et puis tout est organisé pour la réception à Angers. Et en tout cas, on a vu en attendant que c'était Phil Halley qui avait gagné le trophée du meilleur joueur de la finale. Effectivement, buteur dans cette partie, Philippe Halley. Et donc une troisième Coupe de France de suite pour Philippe Halley et pour Tommy Giroud. De véritables spécialistes. On dit que le retour en bus s'annonce sympathique hein, du côté des Ducs d'Angers. Oui, oui. Le rendez-vous est pris en tout cas. Une grande fête à venir, oui. Effectivement, le rendez-vous est pris du côté de Angers par Robin Gavory. Tandis que les deux capitaines sont convoqués d'un côté. Et on a une pensée aussi hein, pour Gutiérrez qui aura aussi beaucoup donné dans cette rencontre. Oui, effectivement, qui a assisté. Je pense qu'ils étaient encore en pénalité quand Gabory a marqué. Et on a pu l'entendre en interview sur Sport en France la semaine passée. Ça lui tenait vraiment à cœur hein, de remporter cette première Coupe de France avec les Rapaces de Gap. Lui qui est très attaché à ce club, à cette région. Et tout le club de Gap, effectivement, qui est un gros boulot au niveau de la formation. Qui a une équipe qui est quand même assez stable depuis quelques années, depuis l'année dernière au moins, avec des jeunes qui arrivent. Ils ont du potentiel, ils ont de l'avenir, mais c'est vrai que c'est cruel parce qu'une finale, il faut la gagner. Et aujourd'hui, c'est Angers qui l'a gagné. Angers qui a aussi fait un travail de fond depuis plusieurs années avec leur nouvelle patinoire. Ils sont prêts, même si effectivement le Covid a contrarié tout ça, hein, parce que des playoffs dans leur belle patinoire, ils en rêvent et ça va arriver. Et oh que oui, ça va arriver. Effectivement, ça faisait longtemps qu'ils attendaient ça. Bien sûr. Et bien dans cette patinoire bouillante et magnifique, l'Ice Park de Angers, et ces images sont fantastiques aussi. C'est ce qui fait que le hockey sur glace est un grand sport. Ces deux formations qui se saluent à la fin du match. Des images qu'on a l'habitude de voir en playoff aussi. Oui, le respect entre ces deux formations. Ça, on se bat sur la glace et puis derrière tout s'arrête. Des images effectivement qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Et c'est clair que ça fait plaisir de voir des images comme ça. Le hockey français qui revient effectivement à la rencontre de ses supporters. Dans les matchs couperets, dans les matchs qui comptent, dans les matchs effectivement qui font toute la saveur du hockey sur glace. Et aussi contraintes sanitaires obligent, eh bien, ce sont les deux capitaines hein, qui ont remis les médailles à leur formation, d'un côté Patrick Coulombe et de l'autre Romain Gutiérrez. Ouais, ils avaient montré de très belles choses hein, dans cette partie. Ils n'ont pas démérité les Rapaces de Gap. Ils ont affiché beaucoup de caractère pour revenir aussi à 4 partout. Le troisième tiers-temps a été plus fermé. Et finalement, sur un lancer de Robin Gabory, les Ducs d'Angers remportent une troisième Coupe de France. Et la remise de la Coupe dans quelques instants. C'est maintenant la remise du trophée 8, la liberté par parole le président de la Fédération française de hockey sur glace, Pierre-Yves Germain. Applaudissements donc Patrick. Et voilà, le moment tant attendu hein, du trophée. Ouais.
Le trophée, ouais, qui va être remis. Ce trophée au duc d'Angers et au capitaine Coulombe. Et qui va se voir remettre ce trophée, cette Coupe de France, donc pour les ducs d'Angers. Aux côtés de Pierrick Gerbault. Et ça y est, oui. Il était pressé de la prendre, cette coupe. Patrick Coulombe et les Ducs d'Angers qui remportent donc la Coupe de France 2022. Toute la joie de Patrick Coulombe et ce trophée Pute la Liberté soulevé au plus haut par les Ducs dans cette arène de Cergy Pontoise. Un trophée Pète la Liberté acquis dans les prolongations, dans un match à suspense. On pourrait en citer beaucoup des héros, Pierre, dans cette partie du côté des Ducs d'Angers, qui se sont montrés aussi très solides défensivement avec de nombreux sacrifices devant les filets de Evan Collet, et cette image magnifique des sourires sur les visages des Ducs. Vainqueur donc de la Coupe de France en battant en prolongation les Rapaces de Gap, 5 buts à 4 dans un match totalement dingue, dans un match complètement fou. Et un scénario qui était dur à prévoir avant le match, mais c'est vrai que deux premiers tiers de folie, un troisième tiers tendu, très tendu, et une prolongation qui donne ce trophée à cette équipe d'Angers. Ouais, tandis que Nicolas Ritz. Oui, tout à fait. Est avec Franck Pateau. On est à côté de Nicolas qui, à mon avis, qui a fêté ça, à mon avis, toute la nuit. C'est quoi le sentiment là que tu as là aujourd'hui? Ah, c'est le soulagement là. C'est le soulagement quand tu gagnes encore plus en prolongation. Et les taux se resserrent quand ça bascule du bon côté là. C'est un gros soulagement. On va pouvoir en profiter là. Est-ce que finalement les consignes ont été respectées ou ça a été complètement un match fou avec des engagements de toutes parts? Ouais, c'est un match fou parce que dans le déroulement ça fait 2-0, 2-2, mais après sur l'ensemble du match il y a une grosse intensité tout le long du match. Après il y a des moments de momentum d'une équipe de l'autre, ça marque dans des moments cruciaux, ça peut changer le match à tout moment, et c'est cool que ça tombe du bon côté et qu'on ait fait un gros travail en prolongation pour la gagner. Comment l'équipe, j'allais dire, de Gap vous a rendu la tâche difficile? Ouais, bah ça fait quatrième fois là qu'on joue contre eux cette saison. C'est à chaque fois des matchs qui se jouent à un but, et voilà, ils ont une équipe qui travaille fort, qui patine fort, qui met de l'intensité. Ils nous ont vraiment donné un gros match, un beau match des deux côtés, et on est content de repartir avec la coupe. Bon, avant de relever la coupe, l'objectif, j'imagine, lequel c'est? Ouais, bah là, on va profiter ce soir et ça rattaque après-demain. Donc voilà, c'est la joie du championnat qui va revenir. Maintenant, on va quand même prendre le temps d'en profiter parce qu'elle est belle. Et on va se remettre après la tête dedans lundi, mardi, et ça rattaque jusqu'à la fin de saison. Un dernier mot pour tous les potes de l'équipe. Allez, en direct sur Sport en France. Un dernier mot à tous les potes de l'équipe en direct sur Sport en France. Les potes de l'équipe, merci. Merci les gars, parce que des finales de Coupe de France, t'en joues pas 40 dans ta carrière, et des coupes, on n'en soulève pas non plus des tonnes. Ça va plus vite qu'on le croit. Et dès qu'on peut en gagner une comme ça, tous ensemble, avec une équipe comme ça, c'est génial. Merci beaucoup. Nicolas Ritz au micro de Franck Pateau. Et elles sont magnifiques, ces images un par un. Les joueurs des Ducs d'Angers qui viennent présenter ce trophée Pète la Liberté à leurs supporters, ouais, qui ont fait le déplacement. Ah ouais, un par un, les joueurs. C'est la tradition, ok, là, on va tous lever la coupe un par un. Et on la présente aux supporters, ça fait des belles photos et en tout cas des souvenirs incroyables, parce que c'est vrai, dans une carrière de hockey, on n'a pas l'occasion souvent de lever une coupe et de finir premier. Et il faut savourer, même si, comme le disait Nicolas Ritz, ça reprend, les droits du championnat reprennent derrière. Ils vont bien profiter ce soir, et puis derrière ça va vite reprendre avec déjà un match après-demain. Bien sûr, avec dans deux jours. Pas mal de matchs en retard à rattraper, et puis les playoffs qui vont arriver assez vite.
Et la fin de saison s'annonce extrêmement intense et passionnante dans cette Ligue Magnus et sur Sport en France. Allez, c'est l'heure de se quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette superbe rencontre incroyable, cette superbe finale sur Sport en France. Merci Pierre Pousse et à Franck Pateau qui a réalisé toutes ces interviews au bord de la glace. Merci à toutes les équipes de Sport en France et de Chlorophylle Productions. On se retrouve vite, très vite, pour toujours plus de hockey sur glace sur Sport en France. On se quitte sur ces superbes images. Salut à tous. Bye.